Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Let's Play sur Dublob 2. Nous sommes au stage numéro 4, le Sénat. Je lance. Et pendant la cinématique qui est toujours aussi stylée, colorée, où on voit un peu plus l'univers du jeu se développer, j'en profite pour vous dire que j'ai chopé les infos sur ce Dublob 2 qui nous manquait. Notamment le 100% que j'essaie de faire. Je m'embête un petit peu entre guillemets pour rien parce que grosso modo, il y a des choses que j'essaie de choper, c'est pas nécessaire pour un espèce de 100%. Enfin, je vais vous expliquer dans le jeu, on verra bien. Mais en tout cas, il y a aussi une histoire de rang S à atteindre avec le score. Et ça, on fait pas trop gaffe d'habitude. Mais pourquoi pas se donner des défis de malade. Et j'ai justement trouvé un tableau qui nous dit le score minimum qu'il faut faire pour avoir ce rang S à la fin du stage. Ça nous donne une petite indication qui peut être utile. Et justement, on est au Sénat. Et donc ils disent qu'il faut au moins 1 125 000 points pour avoir le rang S à la fin du stage. Sachant que ça va aussi dépendre de la complétion. Et justement la complétion, j'ai compris en farfouillant sur un wiki, choper les infos sur un truc, on se posait la question, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'ils nous demandent de récupérer? Et j'ai trouvé. Donc Stadia, ça m'a l'air assez dingue, les gens vont avoir du mal à l'accepter, mais on a ici le début du futur du jeu vidéo. J'ai vraiment hâte de le tester, plus qu'à connaître le prix et les jeux proposés. Et les jeux proposés? Du coup, j'ai pas suivi l'histoire, mais bon, on sait que c'est la révolution. Papa Blanchi, ce n'est autre que le camarade noir. Ah bah oui, d'accord. Ah bah si, on vient d'apprendre un truc très important. J'ai voté pour le changement et tout ce que j'ai eu, c'est cette combinaison. Alors ça, pardon, mais c'est tellement pertinent, toujours aussi pertinent, ces histoires de faux changements politiques. Regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec Macron. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit intronisé. Donc là, heureusement, dans le jeu, on peut refaire l'histoire. On peut prendre les choses en main. C'est un peu les gilets jaunes, les mecs, là. Ces conduites devraient nous mener jusqu'à la place du peuple. Va chercher du rouge pour cet interrupteur. Rouge, c'est une histoire un petit peu de couleur politique, ça. En tout cas, regardez dans la progression. Alors, on va pas se tromper de bouton, ce serait dommage. Stadia, en tout cas, vous m'excitez, là, j'ai envie de savoir ce que c'est. Stadia, c'est le service cloud gaming de Google. Ah non, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les annonces Google. Je suis d'un peu plus loin qu'avant, qu'avant, hein, puisque, voilà, il y a moins de nécessité pour le voxel, et puis parce que ça se répète beaucoup, le jeu vidéo. Et ils vont avoir une ludothèque à eux, c'est pas comme Shadow qui stream sur PC. C'est plus une console classique, mais non physique. Oui, c'est le devenir des jeux vidéo, c'est-à-dire que des abonnements pour avoir accès à des ludothèques. Et il n'y a pas besoin de machine autre. Ça peut être même en streaming de très haute qualité, mais avec un petit PC de merde. Quand ça sera en full streaming bientôt. Et pour l'instant, voilà, avec ton PC actuel, bref. Ok, ça s'appelle Stadia, je crois que c'était un jeu. Ouais, parce qu'il y a un mélange entre Overland, qui est donc le jeu de survie, et à Stadia, ça m'a l'air dingue, les gens vont avoir du mal à l'accepter, mais on a ici le début du... D'accord, je crois que c'est... Ok, j'ai vraiment hâte de le tester. Plus qu'à connaître le prix, les jeux proposés, d'accord, je comprends mieux. En tout cas, voilà, Libération, on sait que c'est les mecs qu'il faut faire sortir des bâtiments en repeignant des pâtés de maison. Environnement, ce sont les arbres. Il y en a beaucoup. Nettoyer, c'est les petites structures anchor, donc les méchants, là. Il faut les détruire. Des petites statuettes, des choses comme ça. 50, les fameuses inspirations, donc ça on les trouve un peu partout, et en faisant certains défis, on en obtient. Et ce fameux logo de merde, le truc du pinceau, en fait le pinceau, c'est les petites têtes jaunes sur des espèces de badges, je vais vous en montrer, on va sûrement en trouver au moins un. Ça ne correspond pas du tout à cette icône, c'était impossible de comprendre, c'est débile, et les styles, bon ça on savait ce que c'était. Donc, en tout cas, on n'a plus d'inconnus maintenant, c'est une bonne chose. Et eux, alors d'ailleurs, j'aime bien tout de suite regarder... Ils ne comptent pas d'en nettoyer. C'est des ennemis classiques. Mais je crois qu'il y a un moment où j'avais buté des mecs et ça m'avait fait avancer. Peut-être le Netflix du gaming. Ouais, mais non, mais c'est exactement ça ce qui est en jeu. En fait, c'est juste les usages qui changent. Le monde se dématérialise. Et il me faut donc... Nous devons rendre au Sénat et arrêter l'inauguration, donc interrupteur bleu. Au cas où le live est toujours configuré sur Dublob 2. Bah oui, on joue à Dublob 2. Tu me fais peur. Oh, ce jeu polémique sur la couleur
de peau. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. J'ai mal à mon humanité. Justement, là, le jeu, il montre que tous ces êtres de couleurs différentes vivent ensemble en harmonie et en joie plutôt que des gens qui sont tous de la même couleur, qui est le blanc. Ah merde, lui, il m'attaque. Oh! Non mais oh, ils sont en train de me pomper, justement, ma couleur. Donc ce jeu n'est... Ah oui, ça, je le veux, par exemple. Ce jeu n'est pas d'actualité. Inonde les conduites, Bob va chercher du jaune. Ce jeu n'est pas d'actualité, mais pourtant... Donc on devrait arriver là-haut après. Et pour autant, il est... Ah bah tiens, on va aller choper ça. Et en même temps, en termes de thématique, parce que les choses ne changent pas beaucoup. Bonsoir, Zikman. Comment il va, le Zikman? Il va venir foutre le bordel un petit peu. Oula, mon cerveau a bugué. Donc ça, voilà, c'est bien de Blob 2. Tu m'as fait peur. Un petit truc planqué. Putain, heureusement que je l'ai chopé. Si vous voyez des espèces de trucs comme ça sur les murs qu'on peut visiblement péter et que je passe à côté, faut absolument hurler et me le dire. Attention, t'es en train de rater quelque chose de très important pour la complétion. Et après, sinon, on va être triste. Surf Off d'ici frappe cet interrupteur avec du bleu. Moi, c'est ça que je veux. Très bien, je l'ai chopé. Le perso saccade. Non. Oui, il y a des trucs très chelous. C'est un portage PC. Franchement, foutage de gueule. Alors, je l'ai pris en réduit qui devait être à 6 balles. Mais malgré tout, c'est très désagréable. Et encore, j'ai fait un réglage. Là, le jeu donc est moins saccadé. J'étais obligé de bricoler. Heureusement, il y a un mec qui a... Ouh, j'espère qu'il n'y avait pas des trucs en bas, moi. Sur les forums de Steam, qui a donné une astuce pour débloquer certains... Bah, par exemple, les images par seconde étaient bloquées à 30. Donc, en soi, 30, c'est pas forcément saccadé. Mais visiblement, ça crée un petit conflit bizarre. Là-haut, à droite, on a vu un bidule. C'est ça, le truc dont je parlais. Oh, j'aime bien quand c'est tout blanc. Et en même temps, j'aime bien quand c'est tout coloré. Oh, ça fait trop bizarre, j'adore ce rendu. Justement, j'ai envie de faire un jeu vidéo et ça serait... L'univers serait comme ça, tout blanc. Pour d'autres raisons, mais... Enfin bref, je le ferai jamais. Les élections sont terminées d'une façon ou d'une autre. Les blanchistes ont gagné et ils ont déclaré la loi martiale. Ils ont tout blanchi et ont enfermé tout le monde. Salaud, peint les bâtiments pour libérer les habitants. On va voir ce fameux système. Mais ne touche pas ces barrières ou tu recevras une décharge. Ah bah super, il y a l'électricité. Ça roule juste la flemme de partir répéter ce soir. En tant que... De toute façon, ça changera pas grand-chose si t'es pas là parce que les bassistes... Je fais la blague, je te refais la blague. T'es bassiste ou pas? Je sais plus, je dis peut-être une bêtise. Mais il me semble bien. Hein. Tu fais partie de ces faux musiciens, là. Hein, nous aussi, on peut te balancer des vannes parce que toi, tu te gênes pas. Hein. Alors, il y a une bonne ambiance, là. Alors regardez maintenant, le sol aussi se repeint au fur et à mesure. Avant, ça n'était pas le cas dans le premier épisode. Et là, il y a des pancartes. Tiens. Eh oh! Saloperie. Et donc, est-ce qu'on peut le voir, le bidule? Alors, je vais me faire ma mission quand même. Voilà, on a fait tout le pâté de maison. Et si c'est pas la couleur requise, ils sont ici. Et hop, il faut les colorier. Et voilà, on voit 3, 4 sur. Alors, il y a 3 trucs jaunes. Ils sont où? Ils sont en face. Il y a un style juste là, posé élégamment. Il me manque un jaune. Donc on fait... Ah non, j'aurais dû faire le orange d'abord. Parce que l'orange est au-dessus. Ah, quoique, j'aurais peut-être pu me le choper. Bref, il me manque un. Ah, ils me font chier, eux. Oh, il me. Hein, il me court sur le haricot. Parce que je veux faire attention à ne pas. Mais il est où l'autre orange qui me manque? Ça, c'est jaune. C'est cette histoire. C'est de l'autre côté. L'arbre au passage. Je vois qu'il y a un chacal qui me poursuivait là depuis tout à l'heure. Ah bah c'est trop bizarre, il y a un petit bout de bâtiment tout seul dans un autre coin. Et merde, ça m'a mis en jaune. Ah bah non, bah, je comprends pas, j'ai mal vu parce que là il m'a mis... voilà. Lenny Kravitz. Ouais, bassiste comme des gens connus, Sting par exemple. Ah mais il se contente pas de faire que ça lui. Parce que c'est trop facile sinon. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est musicien si on fait vraiment que la basse? C'est la question que je pose à tous les gens qui sont sur le live là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On se fait des arbres au passage. Oh, je vais partout, ça y est, je deviens fou. C'est tellement kiffant, c'est tellement kiffant, tout en simplicité. Le plaisir de colorier les choses, c'est dingue.
C'est con et dingue. Alors, vite, on enclenche une mission. Mon avis, je n'en sais rien. Desben, lui, préfère pour se retrouver avec Zikman comme ennemi. Merci de nous avoir sortis d'ici, Blum. Nous sommes plein des résultats de l'élection. Ces nouveaux officiers nous ont enfermés dans des bureaux. Vous vous rendez compte de ça? J'ai cité des connus, mais mes références sont absolument pas eux. Ouais, t'essaies de te dédouaner de quelque part, de quelque chose. Il y a quelque chose de sale dans ce que t'es en train de dire. Ah merde, faut que j'aille tout en haut. Est-ce qu'il y a du bleu là-haut? S'il y avait du bleu là-haut, d'ailleurs, il y a le. Et voilà, je l'ai senti les petits coups. Je l'ai senti parce qu'il me fallait le bleu pour avoir le marron. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça ou je m'occupe de ça? Allez, je m'occupe du marron. La caméra tripe un peu. Hop. Et hop. Et les autres, je n'y touche pas. Je vais justement en profiter pour repeindre cette petite voiture. Hop, on va peindre ça peut-être au passage pendant qu'on est tout en haut. Hein, clac. Ça sera, c'est peut-être pas la bonne couleur, mais au moins. On a fait ça. Et du coup, bleu, pourquoi pas, on s'en fout. Hop, on en profite. On va voir, est-ce qu'il y a du bordel là-bas. Ah voilà, ce truc-là, regardez les amis. En direct en live, nous allons pouvoir, si je tombe pas comme une merde. Vous voyez ce truc devant moi là? Espèce de carré avec une tête jaune. C'est des choses à débloquer, ça fait partie de la progression. Et bah c'est ce putain de pinceau orange au milieu. C'est complètement con. Stevie Harris, le bassiste d'Iron Maiden, une référence. Sinon un bassiste que tu connais certainement, Flea, le bassiste des Red Hot. Et bah j'en ai entendu parler récemment parce qu'il joue dans un film. Bam, 26 sur 100. Donc ça, c'est ça qui aussi qui nous... induit en erreur, c'est qu'il y a un total global qui nous affiche au lieu de nous mettre celui dans le stage, alors que regardez, 1 sur 9. Putain, en tout cas, je me sens mieux à savoir ce que c'est. Et il me faut du rouge pour finir. Ouais, j'aurais peut-être dû aller en face. Écoutez, on s'en fout. On se gave, on se... Bon, avec le marron, ça marchait. Il me faut du rouge là-bas. Pour finir, donc ça va être sûrement le bas, voilà. Hein, y a une logique. Klaken, la mission est réussie. Grisien libéré, donc ça c'est pareil, il faut bien que je pense à les repeindre. Et en plus, ils m'ont donné du chrono. Toutes ces mécaniques. Alors les petits éléments comme ça, je crois que c'est pas nécessaire de les repeindre. Les arbres par contre, ils comptent. J'aurais bien aimé une option qui permet, un peu comme le radar, voilà, on peut afficher et enlever. Un autre bouton, sur le, par exemple A qui sert à rien. Enfin B du coup, parce que... toute ma vie, je me tromperais dans les boutons à cause de la Super Nintendo. Par rapport à la manette 360. Le bouton A, B qui aurait permis d'afficher le truc de complétion au lieu de devoir faire ça et d'aller vérifier où on en est. Vous voyez, c'est ultra chiant. Parce qu'effectivement, je comprends cette idée de dégager l'écran, mais on peut peut-être trouver un juste milieu. À... puisqu'ils l'ont fait en plus avec un certain truc. Bref. Je m'étouffe avec ma salive, ce qui est n'importe quoi. En face, il y a une vie, on va la prendre, on a un autre petit truc à péter. Bam, voilà, y a j'allais dire, ces trucs-là, il peut y avoir des choses des fois dedans. Hop, on en profite. Oh, putain, c'est marrant. Pardon. cette statue m'a fait penser à Insectors. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette vieille série d'animation française. Ouais, ça ressemble moyennement, mais je sais pas, il y a eu un petit truc. C'est la matière un peu, comment dire, un peu bronze de la sculpture qui m'a fait cet effet, notamment. Alors, justement, en face, on va aller enclencher une mission, on se fait les arbres. Ouais, il faut essayer d'être méthodique, et en même temps, c'est pas facile, parce qu'on part dans tous les sens, on a envie d'aller partout. Je vois pas où il y a des arbres ici, tac, tac, tac. Une petite affichette, ça compte dans environnement, je crois. Et donc Flea, il joue dans quel film? Il y avait une interview où justement le réalisateur expliquait pourquoi il l'avait choisi. Par rapport à ce qu'il dégageait, ce qu'il était capable de faire. Il disait qu'il avait d'ailleurs musclé son jeu en tant qu'acteur depuis d'autres projets. Après, c'est peut-être aussi... sans vouloir être remettre en question du tout ses qualités d'acteur, hein, mais pour une production, par exemple, avoir un nom connu, c'est toujours un bonus. Merde, je voulais la faire avant de tomber comme un con.
Et ça, je peux pas les péter non plus. Donc il va falloir que j'aille. Ah, ça va être con là. Ce petit coin là, mais il faut le faire. Il faut le faire. Chaque fois, je vais retomber. Donc ça, je l'ai déjà repeint en fait. La barrière qui est devant, elle me fait peur. Au moins, voilà, on peut un peu mieux contrôler. Ouais, inspi. Sachant que l'inspi, c'est ce qui permet aussi d'améliorer notre personnage. Un élément. Ah, on a vu une caisse là-bas derrière. Petit côté un peu RPG dans ce jeu. Clac, donc ça c'est fait. Alors, il faut que j'arrive d'abord là-bas sans tomber. Comment que je fixe ? Ah ! Oh, putain, c'était chaud et c'est carrément nécessaire parce qu'il y a des arbres. Notamment. Ah, c'est une zone située là. Enfin, en même temps, la fin du stage, il te montre un peu à vol d'oiseau certaines choses. Il te montre notamment les arbres. Donc ça, tu peux pas... Tu vas forcément les trouver, quoi. Même si c'est quand même beaucoup plus fluide de les faire pendant la mission. Et merde. Par contre... Je suis trop loin du micro, peut-être. Par contre, il y a d'autres éléments. Ils ne vont pas te les indiquer. Et notamment les fameux trucs. On ne savait pas exactement ce que c'était là. Je l'ai montré tout à l'heure, l'espèce de badge. Ça, il te les montre pas. Ah, il y en avait un là. Putain de merde. Donc 2 sur 9. Alors, on va essayer de faire le 100%, mais bon. Hein, c'est pas. Faut pas que je me prenne trop la tête avec ça. Ça peut gâcher le jeu, alors que voilà. Là, on est là, on se balade, on kiffe. Pour rester dans le plaisir, voilà, gâché par de la complétion, c'est un truc. J'essaie de travailler sur moi-même là-dessus. Hein. Je sais pas comment vous abordez ça, vous, dans les jeux, la complétion. Si ça vous saoule, si ça vous excite. Je crois qu'il y a un peu des deux là. Les deux écoles sont là. Clac. On va libérer les mecs. Ah bah voilà, il faut grimper, hein, c'est pareil. Est-ce qu'on les a libérés? Eh ben non, parce qu'il restait au moins ce petit morceau là. Ça saccade, hein. Ça saccade, c'est moche, c'est dégueulasse. Franchement, j'hésitais au début même à ma limite me faire rembourser ce jeu. Mais en même temps, ils sont là. Voilà, hop là, du chrono. On a 11 minutes, donc il faut pas que je traîne. C'est l'heure de partir à la rescousse. Nous sommes tout juste à l'heure pour arrêter le baptême public. D'accord, donc il va falloir vider ce truc là. Les bergers vont utiliser leur hypnodisque pour attirer les grisiens dans l'encre. Oh putain. Merde, j'ai cliqué trop vite. Mets un terme au baptême avant qu'il ne soit trop tard. Putain, c'est marrant qu'il y ait un peu ce truc de... chrono vite fait. Comme je me suis gavé. Pourquoi ils me font chier avec ça? Oh, je me suis libéré juste à temps. C'était beau, il y avait de l'action. Ouais, je me suis donc fait dans les améliorations, je vais vous les montrer pour ceux qui n'ont jamais vu. On peut augmenter notre capacité. J'ai appuyé trop tard. Bah, mais là, ça évite que les nouveaux mecs qui sortent. Ah bah non, je peux pas vous le montrer. Il faut arriver au espèce de magasin où on dépense notre fameux inspiration. On se fait les arbres parce que j'adore. Et la mission est derrière nous. Donc là je gâche du chrono. Et il y a un inspi là-bas, on va se la faire direct. C'est trop beau ça. Trop beau, trop marrant. On y va, on va dans l'eau, on s'en fout. Clac. J'ai envie limite de revenir un peu en arrière pour regarder autour de moi. Ah, j'ai plus de couleur donc je m'en bats. Ça, je peux pas le péter. Ça, c'est pour plus tard. On peut observer. Ils sont là autour de la statue, elle fait ah oui et tout. Ah, y a un arbre là. Comment on fait? Faut absolument que je vienne jusqu'ici, moi. Ah bah, par là-bas. Alors, où est-ce qu'il y a de l'encre? De la peinture, plutôt, que de l'encre. Bam. Alors, sinon, dans les nouveaux venus, c'est quoi? Stadia? La plateforme de Google, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse? C'est vrai que c'est un truc depuis longtemps, on se doute qu'à un moment on aura hein. Bah par exemple on aura la chaîne Nintendo et d'ailleurs moi ça m'arrangerait fortement parce que j'ai absolument pas envie de mettre 300 boules dans une console quelle qu'elle soit.
J'ai déjà une machine chère qui me permet de faire tourner des jeux. Pourquoi j'en achèterais une en double? Pourquoi j'achèterais une console qui serait un doublon de ce que j'ai déjà chez moi? Juste pour avoir accès à des titres, vous voyez, ce système-là, en tant que consommateur, il me gave. Après, moi, je comprends tout à fait leur intérêt commercial avec les systèmes d'exclusivité. Alors, il faut que je pense à grimpouiller. Hein. Je l'ai pas. Mais si, je l'ai. Celle-là, on comprend pas bien. On va se finir le truc là-haut, d'ailleurs. Paf, on se gave. Marron, j'aime pas trop, mais ça varie un peu. Bonjour, Fox. Je me permets de finir ça. Là, il y a la peur. Là, c'est la dextérité du jeu vidéo. Ah, il y a un spig. Ah, là, il fallait absolument y aller. Je sais, il me l'aurait pas indiqué au radar. Ce jeu de bâtard. Alors, est-ce que je reviens? Ah, il y a une mission là-bas. Donc, bonjour, Fox. Ah, The Blood, t'aimes bien, toi, hein? D'ailleurs, il me semble que c'est moi qui te l'ai fait découvrir, mine de rien. Maintenant, tu le connais mieux que moi, vu qu'il n'y a pas longtemps, t'as fait les deux. Comme un gros oufman. Très bien, donc ça c'est fait, on enclenche la mission, bim. J'ai pas fait gaffe au chrono, mais je crois que je fais un peu de la merde. Au travail ce matin, un représentant de l'entreprise Anker m'a dit de mettre cette combinaison grise. Elle ne me va pas, mais je ne peux plus l'enlever. Il m'a dit de partir ainsi que le reste de mes amis. On va vous repeindre, les gars. T'inquiète pas, on va te repeindre. On va te faire sauter ça. Là-bas. Il y a des mecs partout. Et voilà. Et en plus, on les met la combinaison et on les exile sur les bateaux. Les citoyens sont obligés de s'assembler dans ce centre de culte. Putain, ils ont pas de chance. On les oblige. Alors, il y en avait un juste là, non? Il s'est barré. Alors, 9 minutes, ouais. Il faut que je libère les mecs. Paf, paf. Ça m'a fait un petit bonus de 60 secondes. Les arbres ici, je les ai fait avant d'oublier. Clac, 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 clac. Et à la fin de la mission aussi, ça devrait me redonner du chronox. Bam, bam. Ouais, mais je vais tellement vite. Eh ben non, pas assez. On va aller ici. On va se reprendre de la couleur. Hop, je profite du ciblage qui me permet. Merde, du coup, ça me fout en l'air. Et bah, justement, le bleu il est là. Paf, je suis violet maintenant, je vais pouvoir y retourner. Moi, je voulais buter le mec. Mais. Oh, dites donc. Je veux pas qu'il m'enlève ma couleur. Il y a du chrono. Voilà, c'est ça que je voulais faire d'abord. Ça va nous. Ah bah non, c'est vrai, on rentre. Et oui. Et c'est la nouveauté aussi, c'est le système. On est à l'intérieur. Paf, des bâtiments. Avant, c'était un jeu seulement à troisième personne. Alors, vue 3D. Les voilà! Nous devons simplement commencer par dépasser les bergers. Les bergers. Ok, je vous défonce un par un. Ça, c'est chiant. J'ai trop attendu. Non, ça l'a fait. Du coup, je vais plus avoir de couleur, moi, pour les aider. Ah, il manque un truc, là. Ah bah c'est bizarre cette histoire. Ils étaient pas là avant hein. Merde. Hop. Donc en encre je peux monter à 180 je crois maintenant. Là j'ai pas de couleur. Paf c'est bon. Hop. Bonus. Et là on peut y aller. Voilà il manquait l'interrupteur. Clac 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 clac. Regardez moi ça si c'est pas beau. Et là. Et bah. On se barre. Ouais. Transphosphère. Transphosphore. Et voilà, j'avale de travers. Oh oui, j'adore. Donc là, Fox nous parle de son amour pour Double Up 2. En fait, je suis dans le chat vocal du Discord du Voxel si tu veux ça, te faire la compagnie pendant live. Le problème, c'est que c'est pas du tout réglé pour qu'on puisse t'entendre. Donc si je fais ça, ça va être un peu bizarre. Si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un petit délire qu'on peut prévoir, je suis d'accord. Une autre fois, d'avoir une sorte de sidekick pendant le live. Alors, ah bah ça va être pour vider ça, je pense. Les fonctionnaires des élections sont sous arrestation. Libère-les et nous nous joindrons tous à la révolution. Moi, c'est le. Ouais, ça, je m'en fous. Ah, ça, c'est bien. Polychromie. Et je crois que c'est ce truc qui te met la couleur qu'il te faut. Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Si, non. Ok, tac, 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 vite. Profite. Profite, mon gars. Clac.
T'as pas à réfléchir, il met la couleur demandée. Tout en haut, paf, paf. Le petit coin, il c'était un bleu. Dégage. Me fais pas chier, là, j'ai un bonus de ouf. Il m'en manque 4 bleus, bon. Hop, hop, hop. Il m'en manque un, il est où? Oh. Bon, on va en profiter, justement, on va se mettre en bleu. Pour se finir tranquillement. Avant de se faire une petite charge. Oh, le petit coin que j'avais raté, le con. Bravo, il me dit. 30 secondes. Là, il y a les mecs d'ailleurs que j'ai libérés. Il faut absolument les repeindre. Et là-bas, on l'a vu, il y a du petit bonus là. On va se faire une charge. Bam. Ouais, je suis déçu, il n'y avait rien de, C'était juste du... Ah, c'est le scoring peut-être pour leur rang S, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce truc du milieu là, je comprends pas. Ah, je suis avancé trop vite ou quoi? Non, on peut pas rentrer. Ah ok, va pour la prochaine fois pour le chat vocal. Et du coup, faut que je vois comment moi ajouter le son. Après, est-ce que ça va... Il y a un autre truc aussi, ça peut poser des problèmes au niveau du micro. S'il est utilisé par OBS et une autre application. J'ai trouvé un moyen d'entrer dans ce bureau de vote. Utilise ce SOZ pour entrer et nous lancerons un recomptage. Ok, alors est-ce que j'y vais maintenant? Hop. Klacken. Ah merde, j'ai pas la bonne couleur. La petite voiture, on se la fait, même si c'est du bonus. Là-bas, il y a du bleu. Il me faut juste que j'attende. Ah, il inspire juste là. Hein. Hop. On va se mettre du jaune. Pour rentrer. Clac, clac, clac. Oh, mais vous êtes là, vous faites les malins. Mais voilà, je vous ai détruit. Ouais, bah oui, j'ai plein de peinture, donc ça c'est trop bien. Va en bas. Merde, j'ai plus le temps de lire. De toute façon, je trouve qu'il y a un peu trop de texte par rapport à l'usage dans le jeu, quoi. Donc ça, ça sera après sûrement pour remonter. Et là... Oh, le bonus. Vite, 30 secondes. Alors, est-ce que ça va me servir, là? Je peux enchaîner tous les mecs. Peut-être dû aller de l'autre côté plutôt. Ah, s'il y avait ces petites merdes à péter. Vite, 10 secondes. Il est lent le bonhomme, hein. C'est un petit truc. S'il faisait un 3, il pourrait améliorer ça encore. Ouais, putain, j'ai tout fumé là. Tout fumé. Et le transfert. Ah merde, attendez, il y avait un truc d'inspiration. Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, c'est derrière le bâtiment. Il faut que je pense à me laisser tomber. Et voilà, il faut faire les trucs avant. Parce que ça repeint automatiquement plein de trucs. Je crois que les arbres notamment, ils sont repeints. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc de toute façon, il va me demander de redescendre. Voilà, ça, ça va remettre la couleur. C'est pareil, j'ai peint des trucs autour, entre guillemets, pour rien. Tiens, il m'indique déjà... Oh, 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 oh. Hop, on va utiliser ça. Tiens, c'est bizarre, il m'a fait apparaître plein de trucs qu'il n'y avait pas avant. Là-haut, il doit y avoir des bordels aussi, non? Là où il y a du scoring. J'en profite pour regarder. Avant de descendre, hein, je sais pas. Faut que j'aille en face quand même d'abord. Ça m'a l'air plus simple dans ce sens là. Hop, on profite de ça. Du chrono. Un petit bonus. Ils auraient pu nous mettre un truc là plus intéressant. Ah, ou alors il faut d'abord que je lis. Enfin que... Je veux... Comment? Il doit y avoir une entrée. Il faut peut-être que je la fasse d'abord pour qu'il me file ici des vrais trucs utiles. En tout cas, l'idée, c'est de retourner ici. Voilà. Et d'aller derrière. Ouais, devant aussi, il y a un petit bidule. Je m'en bats les steaks. On se fait ça. Ça, c'est plus stylé, ça. Quoique, d'ailleurs, je peux peut-être faire... Oh, c'est trop bas. C'est trop bas. C'est pas grave. Il y a un spi là. Je suis trop gros ou quoi? Je suis tellement gavé de peinture. Très bien. Alors c'est étonnant qu'il m'indique... Ah non, il m'indique la transosphère, d'accord. Parce que sinon je crois que c'était la fin du stage. Alors. Je ne comprenais pas. Alors qu'il y a plein d'autres endroits où on peut aller.
Ouais, on va libérer la fontaine, si c'est pas beau. Je regarde un petit peu, une demi-heure. Oh putain, alors ça, faut beaucoup de peinture. Voilà. Du coup, quand j'aurai plus d'inspi, je me demande si je suis pas bien encore à faire d'abord la peinture. On va l'aider. Donc ça, ils nous refont un petit peu la scène. Hein. Je passe les textes parce que je trouve que ça saccade vraiment trop le jeu, c'est chiant. L'idéal, ça serait que ça passe par le son. Alors, paf. Voilà, c'est pour me dire ça. Donc maintien LT enfoncé pour viser, comme toujours. Appuie sur A pour le buter, ça on connaît. Écrase les agents éclairs avant qu'ils ne retournent dans leur tank. Paf, paf. Et là, il faut faire des charges. Donc c'est pour ça que ça consomme beaucoup. Petite recharge et je le défonce. Ça va, j'ai fait fumer. Donc du coup, là, ce qui est assez bien par rapport à la complétion, c'est que tu es récompensé dans la mesure où ton bonhomme est plus performant parce que tu rinces bien les stages. Après, le jeu n'est pas très dur. Ils ont prévu peut-être pour ceux qui rinçaient pas ou qui n'avaient pas l'habitude. Quand t'as un peu l'habitude du jeu aussi, tu vois les choses différemment. Là-bas, il y a une inspiration et ça, tout de suite, ça me... Parce que j'ai peur de pas tous les trouver. Nouvelle zone, un truc de bouclier. Un boost armure. Te protège contre une seule attaque ennemie. Tu peux porter un seul boost armure. Tu peux améliorer ta capacité. Donc ça, c'est ce dont je parlais avec l'espèce de magasin RPG action. Un arbre. Un spi. Allez là, on va aller voir de l'autre côté s'ils ont pas mis un... Comment ? Un truc... Ah, il y en a une là-bas aussi. Voilà, ils auraient pu mettre un truc en symétrie. Putain, j'ai du mal. Oh merde, ils nous attaquent. Ils sortent des bouches d'égout. Nous devons entrer dans leur poste de police pour les arrêter. Voilà. Sinon, ils vont spawner en permanence. Va à l'étage supérieur. Donc avant, mon petit pote, je fais qu'est-ce que je veux, ok. Non, je veux pas les attaquer, je m'en bats les steaks. Je vais là-haut choper ça avant de l'oublier. Je vais péter ça d'ailleurs parce que c'est sous mes yeux et que voilà, ça me fait tomber dans l'eau. Et une affiche derrière aussi, je me la ferai bien. Je sais pas du tout ce que le jeu me demande. C'est ça, c'est un jeu vidéo, on fait qu'est-ce qu'on veut. Ah, quand on libère en plus, ça pète les saloperies électriques. Très bien, très très bien. Donc là pareil, je repeins des trucs qui vont être peut-être repeints automatiquement, mais on ne peut pas s'en empêcher. C'est le principe de ce gaming. Klaken. Là-bas, j'ai envie d'aller partout, c'est trop bien. Écoutez, sur les premiers stages, j'avais ce souvenir que j'étais un peu déçu de certaines choses. Donc lui, il me demande combien, il faut que j'enclenche ça, peut-être. C'était un peu trop action, puis finalement, j'ai toujours le kiff de repeindre comme un chacal. Hein. Mais c'est peut-être les stages à la fin, mais à la limite, c'est pas plus bien s'il y a cette variété sur les missions. Alors, il y a ces bidules-là. Oh la caméra horrible. Donc ça, on peut toujours pas faire quoi que ce soit. Ouais, il m'a dit d'aller en haut, donc je vais écouter ce qu'il me demande de faire. C'est lui que je veux péter depuis une heure, là. Non mais oh. Hop, et ça, on peut pas le niquer encore. Ah si. Avec la fameuse charge. Hop. Est-ce que je peux pas me laisser tomber, là, non? Eh ben si, voilà, pour pas oublier l'affiche. Hop, puis du coup, bah voilà, on peut se le faire comme ça. Insta, il y a une affiche en dessous aussi. faut aller là-bas. Faut aller là-bas et il faut se gaver de peinture. L'inspi, on va se la faire après. Ok. Boah. J'ai eu peur de tomber. Je voulais pas du tout aller là. Putain, il m'a envoyé sur un truc beaucoup plus loin. Ah, du chrono, très bien. Je vais me regaver un peu. Il faut pas se gêner pour se remplir. Parce que ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. D'ailleurs, j'avais quand même amélioré. C'est-à-dire que ma charge me coûte quand même moins cher qu'au début. Je vais l'améliorer au moins une ou deux fois. Hein. Attention, il faut pas croire que je fais n'importe quoi. Quand même. Il y a une démarche. Ouais! J'ai fait 18 km à vélo dans les espaces verts. Et là, j'ai la dalle. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai pas mal roulé aussi aujourd'hui.
Je me suis bien fait 1h20, alors je sais pas trop combien je fais en 1h20 de kilomètres. Paf. Oh oui, oh ces fameux trucs. À chaque fois je les trouve pas. Oh, j'aime bien faire ça. 3. Ah bah si, j'en ai 3, je me souviens même pas comment. Voilà, 29 sur 100. Il peut pas me dire que j'en ai 4 sur 9 plutôt, c'est tellement plus logique. Voilà, j'aimerais bien être ergothérapeute ou ergonome pour jeux vidéo. Ouais, de dire tous ces... En fait, j'aime bien aller dans les certains détails pour rendre le jeu parfaitement fluide et kiffant pour le joueur. Ça, ça me... J'avoue que ça m'exciterait, mais il faut faire des études. Faudrait que je reprenne tout un truc d'études qui est trop... Faut être psychologue, je crois. Malheureusement, c'est trop tard. J'ai l'impression, mon histoire. Même si ça ferait du bien à plein de jeux. Hop. Parce que comme je suis plus chiant que la moyenne, ça pourrait... Ça peut être pratique. Alors, il y a une inspi ici. Est-ce que j'y vais maintenant ou... Non. On va d'abord faire ce qu'il y a en l'air. Parce que... Ah, maintenant, je peux pas y aller, là. C'est par l'autre côté. Merde. Oh non! Caméra de merde. On sait que c'est ce qu'il y a de plus dur à programmer, mais c'est toujours chiant à jouer. Alors, la petite inspi, là. On l'a vu, je sais plus, tout à l'heure. Oui, on l'a vu à travers un... Ouais. J'ai plus que 8 minutes, moi. Il faut que je fasse du bâtiment, là. Ou une mission, là. Je me suis un peu... Non. Des fois, je trouve que c'est pas logique, là, où il t'envoie. Après, il sait peut-être pas où je veux aller. Alors, d'ailleurs, inspiration. J'en ai 32, c'est pas assez. Je crois que maintenant, ça coûte très cher, les nouvelles améliorations. Alors, il y a une mission, là. Il faut que j'enclenche. Absolument. Au lieu de glander. Beau travail. Maintenant que nous sommes débarrassés de leur support aérien, nous pouvons détruire leur station et condamner ces bouches d'égout. Moi, c'était en 1h45, donc j'ai dû faire moins que toi. Alors, je ne suis pas rouge, mais le rouge, il y en a par là, visiblement. Juste là. Il me manque 30 points de peinture. Je les ai largement, mon gars. Voilà, donc on repeint pas ce qu'il y a autour. On va voir là, à la fin, quand on va enclencher la transphosphère. Bam, bam. Est-ce que ça permet de repeindre tout automatiquement? Scoring. On se recharge. Je leur fais une charge. Ils s'attendaient pas à ça, les mecs. Ils ne s'attendaient pas. Ça, c'est un interrupteur. On n'a pas besoin de couleur particulière. Alors que généralement, on nous demande une couleur. Voilà. Oh, bah, j'ai même pas vu. Je suis allé assez vite. Bam, voilà. Ça repeint des trucs, je crois, non? Ah, pas les arbres. En même temps, ça serait logique qu'ils nous les laissent. Puisqu'on est censé les faire dans le truc de complétion. Blablabla. Ça fait tout péter, même les mecs, j'ai pas eu besoin de les buter. Trop bien. Arbre. Voiture, arbre. Alors on avait dit un peu de bâtiment. Là il y a un petit pâté de maison. Comme ça nous enlevait les putains de barrières là. Alors par contre, comment on peut accéder? Il y a une partie derrière, c'est pour ça. J'ai peur d'avoir laissé passer une inspi que j'avais vue à un moment donné. Ça m'angoisse terriblement. Ouais. On a pété les saloperies et on a libéré. Donc on a libéré plein de mecs. Voilà, le petit chrono. Et il y en a encore d'autres. C'est ceux-là. On a chopé le chrono. 8 minutes, c'est pas ouf. Et il y en a encore là aussi. Ah, elle affiche, putain, je l'avais raté. Hop, 1 minute, c'est pas mal. On enchaîne. Comme Cool Chain, comme à chaque fois. Chaque sénateur avait son QG le long de cette côte, mais le faux président les a tous fait couler, putain. Fait à nouveau émerger nos tours. Oh, ça va être beau, ça. On va faire ressortir des tours de la flotte. Ah, il me demande du violet, ce con. C'est pas sympa. Il me faut juste du rouge, en fait. Voilà. Quand on a un mélange de trois couleurs, avec une couleur, on repart à zéro. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, il va nous faire chier avec des couleurs précises. Je jette un œil quand même. Là-haut, regardez-moi ce bordel, comment faire.
Ah les G, j'ai l'impression que les G m'éjectent. Non ? J'ai l'impression quand même à un moment donné. Voilà. Ou alors c'est un hasard. Hasard ou réalité scientifique ? On a des arbres, on a une affiche, on a du style. Mais il me faut de la couleur, sinon je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon... Voilà, je me ferais bien. Encore un petit bâtiment. Hop, on fait gaffe à leur saloperie. Voilà, on a libéré les mecs, ça a pété le bordel. Oh ! Alors sinon, je pense peut-être faire du live sur des jeux assez courts. J'ai un pote qui s'était fait profiter d'un compte, je sais plus ce que c'était comme plateforme, mais bref. J'ai fait une liste de jeux, j'ai pris les plus courts et ça pourrait être marrant de se faire comme ça des jeux qui durent une heure. En un live, on se fait un jeu. Des jeux pas très connus, mais peut-être dans l'eau, on va découvrir des pépites et la moyenne inspi, on y va direct. Ah, il y a encore toute une zone là, hein, attention. Faut que je trace moi. 9 minutes. Ouais, je fais de la merde. Je fais clairement de la merde, aller là-haut, c'est pas du tout ce qu'on me demande. Ici, c'est pas mal pour observer si on n'a pas loupé des trucs. Mais ouais, il y a encore plein de machins. Ah, une affiche que j'avais oubliée. Et un bâtiment pour libérer les mecs et donc du chrono. Bon, voilà, on a fait en gros ce qu'on voulait là. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Il me faut du bleu. J'ai plus beaucoup de peinture là. Ouais, du bleu, mais je veux plein de peinture. 120. 120, 120, on va se le refaire. Voilà, je me mets dans la flotte. Lâche-moi, toi, chacal. Pour aller me choper le bleu. Voilà. Là, on se fait les bleus. On va libérer les mecs. Une inspi. Je sais pas où j'en suis en inspi, mais je vais être bientôt un peu content. Il y a du vert en bas maintenant, donc il va me filer un jaune quelque part. Ah, c'est stylé quand même ce système. Il faut pas que je tombe. Ouais, voilà. Clac. Pas que je reprenne le jaune surtout. Oh, j'ai vu plein d'inspi là-bas, c'est grâce au tour qu'on va... On va pouvoir y accéder. Et là il me demande du jaune. Très bien. Vous voyez quand on a un mélange, paf. Alors je sens pas trop l'électricité, mais ça doit m'enlever peut-être des... Il allait me faire tomber de la tour ce chacal. Bam. Inspi, il y en a une là-bas. Orange, donc il va me filer du rouge. Il y a une logique, c'est très simple. Mais c'est kiffant à faire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Rouge, alors l'inspi en bas. Vous retenez s'il vous plaît. Si j'oublie comme un gros débilos. Rouge, rougeau, rougeau man, paf. Paf paf, interrupteur, violet. Hop, on s'est gavé de peinture. On fait toutes les couleurs, ça va être magnifique à la fin. Bam, bam. Il reste quoi? Marron, justement, donc. Violet plus jaune, marron. Et ouais, alors là, il faut pas que je chope ce truc, sinon ça va me niquer. C'est étonnant qu'ils aient mis ça là, d'ailleurs. Ils ont remis... Ouais, ils étaient obligés de les mettre parce que si on n'a plus assez de peinture, il faut pouvoir refaire notre marron. Ouh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, je suis tombé. Je suis tombé alors que j'allais vers la zone. Voilà, la couleur maintenant, je m'en fous. Hop, 40 points de rouge. Et ben, on va buter les relous là. Parce qu'eux, ils ont... Voilà, leurs petits mecs là. On va aller derrière parce qu'on a vu qu'il y avait des bordels. Y'a ça là, putain. Ça c'est le truc qui me... Enfin, y'a pas que ça qui me baisse d'ailleurs, mais... L'inspi, elle est là. J'espère qu'on va pas perdre notre couleur. Il suffit de le dire. En même temps, je crois qu'il y a de la couleur de l'autre côté. Et il me faut donc du rouge. Bah le rouge, pourquoi il m'indique par là? Ça change tout le temps. Parce que je pense qu'on est à peu près à la même... Ah bah y'en a un là. Ça m'a fait des passerelles, effectivement, maintenant. Avant, on ne pouvait pas passer. Et lui, on va le détruire, mais d'une
Alors, c'est lui qui m'a détruit là, pour l'instant. Voilà. Allez, on va se faire le bâtiment. On va se faire le bâtiment. Du coup, ça vous dit ou pas des petits lives tout le monde pionce. Ah là, je peux me gaver de 160 points de peinture. Des petits lives en mode découverte de jeux de merde. Pas de merde, hein. Je les ai sélectionnés genre... ça m'intéresse. Non, non, je suis là. Fox est là. Je peux pas grimper, non. On va descendre après. Violet, oui. J'ai fait nimpe, mais en fait, c'est bien ce qu'il me demande. On défonce tout le monde. Parce qu'on a un cinglé, nous. Il y a du scoring. Allez. Pardon. J'ai des petites remontées. Mais pas très sexy, excitant. Bam, merde, il m'a fait tomber et j'ai raté le scoring. Ok, ça, ça sert à rien par exemple. Pourquoi vous nous laissez pas juste avancer tranquillement et ça marche tout seul votre jeu. Alors, ah oui, ça c'est chiant. Les trucs, voilà, les trucs qui jaillent. Bon là, ça va. C'était plus chiant l'autre fois. Oh la chance! Les trucs qui jaillissent là, il n'y a pas beaucoup de marge de... Mais non, putain. Oui, c'est une bonne idée, comme ça je peux aussi partager aux autres les jeux que tu fais. Comment ça? T'inquiète, moi aussi, j'ai des remontées à cause du coca. Et toi, on t'entend pas que moi, il faut que j'ai quand même une correction par rapport au public. C'est normal. Lui, il me gave. J'arrive pas à le cibler, là. Bon, je fais une charge, comme ça je chope ça. D'ici, voilà, là, je peux peut-être le cibler de plus loin. Redescends. Il manque vraiment ce bouton, mais là, tu vois, quand t'es là, là, il manque un putain de bouton pour annuler. Je trouve ça très con. Non, voilà. On veut d'abord se gaver de peinture. Voilà, là, on a rincé ce qu'on voulait. Ok, paf. J'espère que j'oublie rien. Un truc un peu planqué, là. Petite couleur, on revient en arrière. Genre colorie ça, mais je crois que ça sert à rien. C'est juste pour le kiff. Ah, il me demande du vert. Il me demande du vert. J'ai pas de vert. Moi. Il me faut du jaune. Il va me filer du jaune. Clac. Ça, ça peut pas se péter. On va prendre une catapulte. Et on va aller foutre ce qu'il nous demande. Donc ça prend, je sais plus, 10 à chaque fois. Hop. On va aller de l'autre côté. Je suis con, on peut cibler, ça va 15 fois plus vite. Un ultime effort de séance, nous allons... Et là, il y a les petits mecs. Ah non, j'aurais bien fait ce duo d'abord. Voilà, parce qu'ils vont me faire chier avec ça. Hop, voilà, je veux buter les grands d'abord. Bon, il décide de m'emmener en bas. Voilà, il va me faire chier avec ça. Il me ramène du côté que je voulais. Voilà. Et bah j'espère... Ouais, j'aurais pu enclencher le truc avant de choper ça. Ça serait dommage. J'espère que j'ai rien à laisser passer. Hop. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais des lives découvertes, eh bien je partagerai les jeux que tu feras pendant tes lives pour que pas mal de monde puisse connaître tes jeux. Et bah c'est cool. Après, du coup, je sais pas ce qu'ils valent, ces jeux-là. Hein. Je ne sais pas par avance, je ne les ai pas testés. C'est un visuel, un concept qui m'attire. Alors, on va enchaîner les missions. On va jeter un petit œil sur la complétion, là. Moitié de mecs. Un peu plus de la moitié des arbres. On a bien nettoyé. Il manque trois machins bizarres, deux bidules et beaucoup d'inspire. Alors ça me fait très peur. Aïe, 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 aïe. Il en manque 30, c'est énorme. Je lis plus parce que ça me fatigue. C'est pas très intéressant. 30 points de vert, je suis en vert. Le génie. Le génie absolu. Alors, il y a un truc à péter. Sauf que je suis tout maigrichon. Donc, je ne peux pas. Il m'a filé du chrono, ça. Ça, c'est cool. Et bam. Destruction massive de choses à la con. Arrêtez de... C'est pas très grave, mais ça saccade inutilement le jeu. Ce genre de conneries. Merde, j'ai perdu ma couleur.
Je veux, voilà, scanner ça. Moi. Je vais les défoncer, les mecs. Ils se rendent même pas compte. Comment je peux aller plus haut? Hein, comme ça. Et voilà. Tu es le nouvel employé du mois. Cool. Interrupteur rouge drainera la chambre forte. Tac. Donc on traverse grâce à notre petite bulle. On a 20 secondes. On a les saloperies qui vont sortir normalement. Même pas. Hop là. Maintenant on peut revenir. Est-ce qu'il y a quelque chose à droite? Non. Les guichetiers, j'ai pas le temps de lire. Et là, il y a plusieurs couleurs. On nous demande du bleu. Je ne suis pas du tout en bleu. Ah, faut que j'attende que le truc se recharge. En tout cas, dans ce que j'ai sélectionné, si il me les file, parce que lui, il veut se désabonner, en fait. Vous savez, c'est ce genre de truc où... Justement, on parlait de ça tout à l'heure, les jeux services. Tac, j'ai oublié celui-là. On peut, hein, quand on cible, changer. Merde, je suis con, c'est pas... C'est plus haut. Se désabonner. Pour ne pas payer le mois suivant, alors que lui, il avait plus besoin. Donc tout en haut, on va aller en jaune. Et d'ailleurs, moi, j'ai un truc comme ça que je voudrais faire avec Origin. Parce que j'ai notamment commencé le jeu Epistry. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Trop bien. Franchement... Je sais plus pourquoi, j'avais un mois gratuit ou un truc comme ça, donc j'ai testé. Et ce jeu-là, j'en avais un peu entendu parler. C'est une aventure en mode clavier. Tout se fait au clavier, tu dois appuyer sur les touches pour déplacer ton personnage, mais aussi pour buter les mecs, il y a des mots qui apparaissent. C'est... Ça paraît con, mais je sais pas pourquoi ça marche trop bien, le mélange en fait. La gueule de l'univers, un peu... J'allais dire papier, mais est-ce que c'est ça? Wow, le gavage. Il y a un visuel très... Tout est original dans ce jeu, en fait. Donc il y a un peu des énigmes, t'as des, un peu comme des donjons. Sauf que tu déplaces un mec avec des touches de ton clavier, et t'as des mots qui arrivent, et il faut vite taper les mots. Et trouver des trucs d'interrupteur et tout ça. Donc il y a la sensation aventure, le visuel très original, l'univers, et l'histoire un peu qui se raconte à travers les mots. Vraiment unique. Epistory, ça s'appelle... Et donc, j'ai pas eu le temps de le finir. Et j'ai vu que le mode basique Origin, où tu t'abonnes pendant un mois pour avoir accès à un espèce de coffre de jeu, et bah c'est 4 balles. Donc, si tu gères bien ton truc, 4 euros, tu te fais un ou deux jeux. J'en ai noté des dizaines qui m'intéressent dans la liste. Des jeux, notamment pour découvrir, parce qu'il y a des jeux, je me dis, bah. Je sais pas si je vais le faire en entier, mais. Je testerai bien au moins pour connaître. Et ça, c'est une bonne occasion. Alors, on est quand même. On dit les jeux finalement ils sont pas moins chers qu'avant parce qu'ils disaient les CD ça serait moins cher, machin machin. Les prix n'ont pas vraiment bougé. Et puis finalement, bah, il y a tous ces systèmes d'offres qui nous permettent quand même de payer les jeux vidéo beaucoup moins cher. Si tu te débrouilles, hein, tu peux très bien jouer sans jamais payer le moindre jeu. Récupérer des clés, etc. Oulala, attention! Alors là, cette zone a l'air complètement différente. Il y a du mortier et il y a des trucs de flammes. Ils détruisent la ville. Nous, on était en mode vacances et là, alors d'un coup, ça se vénère. Il y a de l'inspiration partout et il y a de la putain d'encre noire. Il va falloir que je traverse tout ce bordel, mais non, j'ai pas envie. Je vais juste me cassos. Presque 19h. Si l'un d'eux apparaît sous toi... Eh bah ouais, j'imagine que ça... Voilà. On avait compris, c'est comme dans tous les jeux. Fais attention, mon garçon. Alors, je suis à combien en inspi, moi? Je suis à combien? 37. J'ai pas beaucoup bougé. Les citoyens ne possédant pas de parapluie de plomb ou protection similaire doivent rester chez eux. Pas même toi ne pourrais survivre à un coup direct. Putain, merde. Il y a un boost par aléa. Aléa. Par aléa. Super nom bien choisi. Devant qui te protégera pendant une durée limitée. Ah oui, d'accord. Avant, j'aimerais bien être en couleur quand même. Hein, pour profiter de repeindre des choses au passage. Alors, le magasin. Ça, c'est le fameux magasin. Entre guillemets, RPG. Là. On peut s'améliorer.
Si ça vous dit, je peux vous montrer. Hein. Allez, check gel ça, même si on peut rien acheter. Sinon, tant pis. Il y a un énorme arbre, je sais pas s'il compte. Ouais, il compte trop. Et il y en a là-bas, est-ce que je peux... Ouais, on va se faire ça. Avant de faire ce qu'il nous demande. On a plus qu'une minute 40, hein. Là on voit que je glandouille. Au lieu de faire ce qu'on me demande. Mais j'adore. C'est comme... Oh putain. Parce que là, donc mon encre diminue. Il faut vite que je me nettoie. Sinon je peux crever. Alors vite, une petite couleur. Où ça? Là. 105, c'est pas ouf. Tant pis, vite. J'aime pas, 8 minutes ça me fait un peu peur. Pour tout vous dire. Ça va sinon, tout le monde est bien silencieux. Vous êtes en train de faire quoi en même temps? Est-ce qu'il y en a qui bossent? Hop, est-ce que je peux... Ah, j'en profite alors que je suis dans un moment de danger, j'ai que 20 secondes. Il y a une vie justement, on va se la choper. Je dois faire quoi moi? Je dois aller là-bas? Elle me demande d'aller à une zone. Je termine mon article. C'est justement sur la plateforme Google ou c'est... Non, c'est sur les Nindies, tu disais. Ah, j'ai tout mélangé parce qu'il y a eu deux conversations qui se sont croisées. Mais à part Cuphead, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que Cuphead, on s'en fout un peu, là. Un vrai jeu, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux? Est-ce qu'il y a des exclus? Parce que, voilà... Ouais, j'en parlais tout à l'heure que ça me faisait chier en même temps. C'est ce qu'il y a de plus excitant. Enfin, excitant. En tout cas, un jeu qui vient d'être dévoilé lors de ce Indies, qui sortira peut-être plus tard sur d'autres plateformes plus sympas, comme le PC Computers. Mais qui sont stylés là, qui sont. Oh! Qui nous excitent. Est-ce que t'as des noms? Parce que là maintenant, t'as plus d'excuses, t'as écrit ton article. Eux, ils veulent m'attaquer, bah, c'est moi qui les bute d'abord. J'ai pas beaucoup d'encre, de peinture, encre, on sait plus. Merde, bah voilà, comme ça, encore mieux. Débilos, man. J'ai cru voir un truc, il y avait rien. En même temps, quand je suis sans couleur, ils ne m'attaquent plus, les mecs. C'est ça l'idée. Alors, est-ce qu'il faut que je rentre? Non. Là, je me balade, ils s'en foutent. Couleur. Alors, on va suivre le truc des missions et tout, quand même. On va arrêter de glander. Ouh, vous avez vu ça? Merde, ça m'a pris toute ma peinture. Y a pas un bassin là-bas? Ouais, c'est un bassin de couleur, ça. Hein. Ouh, je suis pas bien du tout, là. Où est-ce que je peux me nettoyer? Vite! Là. Oh, j'étais pas bien. Mais putain! Non, non! Non, mais non! Ne va pas là, abruti. Au moment où j'approche du bassin... Vite. Ouh. Putain, c'est lent. Ah, j'ai eu peur. Ça a bugué à moitié. Alors d'ailleurs, ça, on va peut-être le repeindre. On va péter ça, par contre. On va péter ça. Je peux pas laisser ça passer. Ah, il tire vers... Putain, relou de caca de merde. Ouh, je les ai détruits, eux. Quelqu'un qui se marre, là. Mais non, le truc, on le voit même pas. On le voit trop tard. Fils de chien. On me fait couillonner 15 fois. Je les vois pas, alors. Hein, puis c'est beaucoup plus grand, hein. Je suis désolé, mais... Putain, c'est hyper chiant, leur truc. Ça amène une difficulté qu'il n'y avait pas dans le jeu. Et qui me fatigue. Les petits arbres. Il y a des arbres. Qu'est-ce que je fais? Je fais les arbres quand même. Ah bah il y a un autre truc. Je fais tout le tour, je fais les arbres. Parce que j'adore. Ah je sais, c'est pas le moment de faire ça, mais... Ah oh, oui, les minutes, il n'y a plus que 5 minutes, je suis trop con. Je joue comme un mongol. Alors je crois qu'on perd qu'une vie, mais j'ai qu'une vie. Alors... C'est... Hein, vous voyez le problème? Un des opposants a saboté cette fontaine. C'est une occasion en or de peindre la statue de l'imposeur en jaune. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi votre délire? Ah, là-bas, d'accord. J'ai failli y aller, hein. Oh, ça m'a enclenché. Non! Oh putain, l'ennemi m'a sauvé. L'ennemi m'a clairement sauvé. Je lis les merdes de Twitter et j'en conclus que l'humanité est une merde infâme, puis j'irai me faire des pâtes.
Zygmunt avec son programme un peu, comment on appelle ça, misanthrope. Hein, c'est ça la définition de misanthrope, c'est Zygmunt. Misanthrope marrant, un peu marrant. Et lui, il est pas marrant, lui, par contre. Alors, on a libéré des mecs, ils sont où? Ils sont de l'autre côté. Nous, on veut notre petit chrono, parce qu'on est en galère de chrono, justement. Voilà, une petite minute. Tac, 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 faut que je fasse quoi? Faut que j'aille par là, choper une autre mission. Paf, j'en profite. Bam, 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 y a plein de bâtards. Ah non, ça, c'est des potes. Et si je les repeins, ça peut peut-être me faire un petit chrono, là? Non, 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 non. Non, caca boudin. Lâche-moi. J'ai vu qu'il y avait du bleu juste à côté, bam. Essaye de nous échapper, mes agents Rancœur viennent nous emmener. J'ai pas envie de lire. Ça saccade trop le jeu, les gars. Ah bah, ils sont là. Ils sont là. Hein, en plus, on comprend très vite ce qu'on doit faire. Donc, arrêtez de nous prendre pour des débiles. C'est un peu le problème, je trouve. Tout début du jeu, côté très tuto, vraiment exagérément répétitif. Hop, je recentre. Vous avez vu ça, le geste technique? Ça, on va aller l'enclencher très rapidement. Il est en face. Hop, on en profite. Ça permet de tracer et bam! On va virer plein de bordel. Klaken, ça tremble dans mes mains à fond. Oh, les bâtiments. Oh, les bâtiments. Ah, on a pété des trucs de merde. Et là-haut, il y a des... Oh, ça a l'air encore immense. Ça, c'est un autre problème du jeu. C'est qu'il faut faire les stages en d'une traite. Alors, 2 heures à se taper. T'as pas toujours le temps de faire ça. Là, même pour les lives, vous voyez. Moi, il faudrait que je parte peut-être dans une demi-heure. Je sais même pas si j'aurais fini le truc. C'est pas assez... Ça fait vieux jeu, quoi. Écoutez, justement... On a plus que 6 minutes sur le chrono. Wow, putain, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Alors, vite. Il y a des bâtards. Et il y a des mortiers. Il faut que je les détruise. Est-ce que j'ai de l'encre sur moi? J'en ai assez. Attention. Ah, j'ai pas lu, normalement il explique s'ils ont un... Merde, ça va être chiant. C'était ouf. C'était là. J'aurais peut-être pu me faire un bâtiment, moi, pour avoir un peu de chrono. Oh non, putain, c'est vraiment pas pratique, ce truc de charge de merde, là. Pourquoi là? Ah là, mets-moi dans le bon axe. Oh, relou, je vais faire ça à chaque fois. Je perds un temps infini que je n'ai pas. Putain, j'ai peur, j'ai très peur. Et je perds du temps pour colorier une voiture comme un débilos. En même temps, c'est la mission, donc ça va me redonner un peu de chrono, ça, non? Oh, j'ai fait les deux. On dirait que cet agent avait des amis, occupe-toi d'eux. Ouais, mais faut que je puisse bouger mon personnage. On se recharge vite. Mais non, pourquoi t'attaques les mecs alors qu'il y a un truc de recharge? Ça, c'est mal programmé. Si on a moins de... On n'a pas la peinture, paf, il faudrait... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, un peu de chrono. Putain, j'ai failli tomber. On va se recharger. Ça, c'est les gros, je crois, non? C'est marrant, cet endroit-là me fait penser à Darksiders. Quand on arrive dans la ville, dans le premier Darksiders. Ça me fait grave penser. Donc là, il va me dire, ah, il y a des trucs de merde. Il faut que je traverse. Ah, il me demande du orange. Ce boost me permettra de traverser. Ah, d'accord, faut que j'aille chercher ça. Mais il ne dure que quelques instants. Alors. Pourquoi il a fait... Ah, j'ai vu du jaune là-bas, il m'a demandé du jaune, non? Ou j'ai mal compris? Alors, eh ben, on va aller par là. On se sert du mec pour pouvoir faire le saut. Pareil. Ah, il y a une affichette là-haut, là. Je sais pas trop pourquoi. Ah oui, oh, je sais plus ce que je fais. Non! Saloperie de bagnole de décor de merde! Ah putain! Je me suis tellement fait couillonner là. Donc mon machin il va être fini, il va falloir que je le re. On peut peut-être libérer des mecs là. Voilà. Ils sont où? Ils sont où? On va se faire une petite. Ils sont où? Ils sont là. Clac, un petit chrono. Je suis perdu moi. Attention à la fontaine. Je suis en train de re-télécharger deux blobs, j'ai envie de les finir à 100%. J'étais complètement gangréné, mon pauvre. Je suis désolé.
putain, maintenant faut que j'y aille sans. Les sauts, c'est... ça va pas là? Wouah, putain. Ah, il n'y est plus le truc. Ah non, il est là. Merde. Ah là, je peux pas y aller là. En bas, en contrebas, on a vu. Oh là là. Ouf. On a vu le petit collectable de merde. Alors, vite, on revient en arrière. Putain, c'est chiant. La caméra est relou. Et bah, pour la peine, je me balade ici. Voilà, je fais des trucs en rien à voir. Mais non, je suis con, j'ai pas assez de chrono pour faire le gogol. Vite! Elle est d'une lenteur là. Mais non, au contraire, c'est une des meilleures découvertes de Blob et franchement, j'adore ça. Bon bah, cool, cool! Alors, on serre les fesses. Ah bah non, il est juste là. Ah, le truc laborieux au niveau de la mollesse du saut. Alors, ils ont prévu qu'on le fasse du premier coup, je crois, et je me retrouve dans un truc de merde. Et je suis pas mieux à le faire par là-bas, là, d'ailleurs. En plus, ça saccade à moitié. Je suis mieux à passer par là. Oh là là là. Le stress de ouf. Et là, je suis pas mieux à passer par là. Oh putain, j'ai cru que c'était large, et en fait... 13 secondes. Voilà, et là, je dois faire quoi? Oh non, quel blocage. Oh non, c'est pas bonne couleur, quel crétin. J'ai complètement oublié l'histoire de la couleur. Eh ben, on va d'abord se mettre de la bonne couleur. Ils auraient pu en mettre un de ce côté, un truc à la con, là. Hop, une affichette. Oh, la caméra qui me nique encore. Là, je suis en train de râler parce que vous avez vu les caméras. On n'a jamais vu des caméras aussi nulles. Bon, en tout cas, faut bien que je fasse gaffe à rester orange. Et j'en profite pour faire les petits arbres, là. Bon, après, c'est vrai que les arbres, ils nous les indiquent, donc... on n'a plus vraiment d'intérêt. Enfin, si, autant les faire sur le coup. Alors, on a la technique de passer par là. Oh putain. Je me fais peur. On cible. On va en face. On va en face. Ici. Ici. Putain, la voiture a encore failli me niquer. On va là. On va là. Putain, c'est fait. Ouh, c'était laborieux, vite du chrono. Je suis en méga galère. J'ai rarement été aussi en galère, je crois. Mais j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien profiter de la vie. Ouah, wow, j'avais pas vu ça. J'avais pas du tout vu ça comme ça, vite. Ah, merde. Hop. Ouah, wow, je l'ai. Vous avez... pas mal, pas mal. Hein? Merde, j'ai perdu ma couleur. De toute façon, il me l'a enlevé ici. Non, les petits bâtards. On se met une protection. Ah, j'avais même pas vu les petits boucliers là-haut. Nous possédons différents boucliers. J'en ai deux. Je suis un génie. Ouais, à cause des caméras, j'ai galéré aussi. C'est dommage. Seule difficulté du jeu, ce sont les caméras. Il y a des tourelles ici. Eh ben, on va les détruire. Est-ce que ça peut me foutre? Voilà. C'est tout. Hop, on se regave de peinture comme un malade. Il y a une fontaine ici parce que peut-être il y a des histoires. Vite, eux, ils vont me faire chier avec leurs petits hélicoptères. Ça, c'est détruit en deux secondes. Oh putain, ah oui, d'accord. Quand elle est pas détruite aussitôt, c'est pas la même. Merde, 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 merde. Ah non, non, caca boudin. Je commence à être bas en peinture en même temps. J'aurais peut-être bien fait. On va voir. Pourquoi ils nous ont mis cette petite merde? Clac. Il n'y a pas d'histoire de couleur, donc... 113. Voilà. Comme un groupe. Ben, si bien, fais attention, il y a des troupes ici. Alors, est-ce qu'il faut que je... Ouais, mais je reviens prendre de l'encre. Eh ben oui, les gars. Il faut réfléchir. Oh, putain. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Très bien. Donc, ils ont... ajouter quand même des menaces. Ils ont changé les ennemis un petit peu.
C'est marrant, je m'en souvenais pas du tout. Ouais, on prend les boucliers. Ah oui, parce que j'ai pris des dégâts en fait. Sans m'en rendre vraiment compte. Ah, 102, c'est pas ouf. Ouais, je gâche mon truc par contre, c'est peut-être un peu con. Tant pis. 10 secondes, aïe aïe aïe. Ah non, c'est assez large. Très bien, la transosphère, mais avant, on regarde s'il n'y a pas un truc. Parce que... Non, on peut pas aller en l'air. Là-haut, il y a quelque chose, non? Ouais, en même temps, je peux pas le cibler. Visiblement, il n'y avait rien au-dessus. Hein. Parce que si je rate ce qu'il y a dedans, eh ben, je suis niqué. Enfin non, quoique, on peut le faire plus tard, je crois. Ah là là. Je sais pas trop où j'en suis du stage, là. On n'a pas de vision, on n'a pas de sensation de... Où on en est, les gars et les filles. Alors, on a pété toute cette merde. La caméra me permet pas trop de voir grand chose. Là-bas, il y a un truc, une inspi là. Et puis il doit y avoir d'autres bordels à choper. Là-haut, il y a de l'inspi. Faut que je me fasse ça d'abord. Alors, par contre, ça veut dire quoi? Faut redescendre à chaque fois pour les choper. Ouh, la voiture. Alors, hop. Ah là, je peux plus remonter. C'est trop chiant. Et on a vu qu'il y en avait une autre d'ailleurs. En tout cas, je suis gavé de peinture. Très bien. Paf. Alors, ici, il y a que de... Quoique, il y a des putains de tableaux à peindre, non? Il y en a une ici. On peut profiter du mec. Voilà. Ça, c'est cool. Le tableau en bas, il est pas peint. Saloperie. Je meurs. Ah putain, 1 minute 18, le con! Mais quel crétin! Quel crétin, y a pas des bâtiments là? On peut pas les repeindre, les bâtiments ils sont tout gris bizarre. Là, non? Mais non, pas du tout, c'est un reflet de merde. Mais oui, on a presque plus de temps, je sais, mon gars. Là. Il y a des bâtiments, là. Wow. Une minute. Là-bas, il y a des bâtiments, là. Vite. Des grisiens encore. Ils sont où? Stress. Stress time. Une petite minute, là. Il y a une affichette et il y a... Il y a encore plein de bâtiments, non? Pff, allez, come on. Ils sont où? Ils sont où, les mecs? En même temps, le temps de le faire, je gagne pas tant de temps que ça, quoi. 3 minutes. Oui, c'est quand même un peu mieux. Ok. Tac, tac, tac. J'en vois pas d'autres. Vite. Oh. Parce qu'en plus la complétion, c'est vrai que je peux la faire à la toute fin du stage en mode tranquille. Mais alors par contre à gauche je vois pas comment y aller. Mais c'est vrai que c'est quand même... On a envie de le faire au fur et à mesure plutôt que de se gaver à la fin de tout. Nous avons atteint le Sénat, d'accord. On va à l'intérieur, empêche le camarade noir d'y prêter serment. Donc ça c'est la toute fin. Mais j'ai pas envie de laisser passer ça moi. Alors je perds du temps, mais bon. Une inspi là. Un style. Et là. La fameuse inspi. Oh putain, je suis content. En face, il y en a aussi. La fichette qui est là. Elle me fait peur. Oh putain, c'est beau ce geste technique. Et la caméra a encore failli me baiser. Alors c'est donc permis par le nouveau système. On peut glisser le long des murs en restant appuyé. Ouh. Hop. Ouh. Je suis assez content de ce que je viens de faire. Hop, merde. Donc c'est quoi? C'est du marron?
va se la faire maintenant. Ouais, je sais, je perds beaucoup de temps à faire ça tout de suite. Alors, eux, de toute façon, ils vont ressortir à l'infini, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et quand on cible, il nous dit ce que va donner le mélange, quand même. C'est sympa de nous proposer ça. Et du coup, vite. Vraiment, il m'a ciblé les mauvais trucs. Attention à la flotte. Voilà. Voilà, c'est la priorité. 3 minutes. Merde. Arg, il s'enfuit. Alors, sachant que les cinématiques... Tiens, je sais pas pourquoi il me... Une histoire de... Vite. Ah, putain. De cinématiques, on les... Comment? On les débloque et on peut les remater quand on veut. Ah, putain. Ça va être très chiant. Ça va être très pénible. J'ai plus beaucoup de temps. Vite. On voit pas le truc, le bonhomme n'a pas la vitesse pour ça. Merde. Wow. C'est bon. J'ai cru qu'il y avait un truc relou au sol, là-haut. Putain, je me suis tellement fait avoir. Voilà. C'est peut-être fait exprès. Il y a un espèce d'enchaînement, là. Donc là, on peut pas passer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tac, là-haut. Clac, clac, clac. Putain, ça a pété mes boucliers là, si je comprends bien. Ça a ouvert ici, on a plus de couleur, on a plus de boucliers. Oh putain, le truc qui s'ouvre sous mes pieds quoi. Ah non, saloperie de ciblage de couilles. Oh là 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 là, on est pas bien, on a plus de couleur. Ah merde, elle est là-haut, derrière l'autre con. Alors est-ce qu'il m'attaque pendant que... Voilà, comme ça, elle a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Bam. Ouais. Donc quand j'ai pas de couleur, il me laisse tranquille. Et après, il faut que je les enchaîne. Je suis à combien? 112. Une minute. Paf, la charge. Oh là là. C'est mort cette histoire. Il y avait un bouclier. C'est débile parce qu'ils me font faire un truc que j'ai pas le temps de finir en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Merde, faut que je sois marron. Marron, marron, marron. Merde, non, je suis bleu. Oh, putain. Violet. Marron. Y'a un truc jaune dans le coin ou... Ouais. Oh. Non, ici, ouais. Allez, 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 allez. 8. 13 secondes. Du coup, je sais pas comment ça marche en fait. Oh là là, 5 secondes au boss de fin. Enfin, de fin de ce stage. Là, dommage, il reste très peu de temps. Mais ouais. Bonne soirée, Desben. J'ai les yeux explosés. Bon, mes cocos, j'y vais. Et bah, bisous à toi, c'est très gentil d'être passé. Même si t'es plus là pour entendre ce que je dis. J'en aurais détruit un. Bon, alors, du coup, il se passe quoi? Pas de chance, défi non réussi. Partie terminée? Non mais c'est pas possible. 2 minutes il me donne. Mais c'est crétin, ça va faire une boucle infinie de... Je comprends pas là ce qu'il me demande et je sais pas où j'en suis. Vous êtes en train de me dire que en gros... Non ça s'est fait ça, pourquoi j'en reviens là? Mais j'ai que 2 minutes, ils sont cons ou quoi? Faut que je m'en refasse les bâtiments en fait. Putain, j'avais fait tout ça là, les couleurs et tout. Enfin, si je le fais en haut vite fait et que je redescends après. Parce qu'en fait, j'ai. Merde. J'ai perdu le temps après.
Non, putain de merde. J'ai perdu le temps après avoir remonté un peu mon chrono. À quoi sert le chrono, sérieusement? Je comprends pas le rapport avec le reste du gameplay. C'est un truc où tu dois kiffer de peindre. Je trouve ça con comme contrainte. Parce que là, il va faire. Du coup, faut que je recommence le stage en entier. Mais j'ai pas du tout envie de tout refaire. Pas une deuxième fois. Justement, t'es dans ce truc un peu t'appliquer, tu vois. Vite, faut que je remonte. Ou il y a encore un bâtiment là. Y'a que Eudes. J'ai 4 minutes, c'est mort. Le chrono sert à te mettre la pression. Bah oui, mais c'est juste désagréable en fait. C'est pas un jeu de lié à du c'est pas du speedrun. À la limite, si tu le fais en plus, dans un deuxième temps, je peux comprendre, mais là, c'est juste chiant en fait. C'est-à-dire que j'ai joué 2 heures pour rien. C'est ce que je disais, y a ce côté vieux jeu là. Alors, je trace. Fermez-la. Vite, 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 vite. Hop, il y a un truc qui clignote à chaque fois, je sais pas ce que c'est. Et donc, le jaune, il est où? Il est là. Non! Fais ça d'abord, putain de merde. Ah, c'est en train de me gonfler là. 4 minutes, 4 minutes. Du coup, je peux pas faire ce que je veux, c'est-à-dire bien rincer tout. Et à la fin, il va nous manquer plein de trucs. Bam bam. Le bouclier pour péter cette chiasse. Hop, vite. Attaque. Hop, vite, vite, vite. Je chope de la peinture. Oh. Là-haut, il y a un truc que je suis encore fait avoir. Ah, les boucliers, il y en a deux. Alors, faut pas les gâcher. Il faut que je revienne en arrière. Allez, j'utilise ça pour aller plus vite. Wow, on peut cibler loin, heureusement. Là, je peux peut-être tracer, en fait. Non! Ah, j'ai oublié ce truc. On va mettre la couleur derrière pour nous faire chier. 130. Ok, vite. Allez, saute. C'est la pression. Ah merde, je peux pas les attaquer. Il me faut la couleur d'abord. Bon, j'avais même pas vu qu'il y avait. Allez! Il y a une vie juste là. Mais alors voilà, faut attendre 1 heure. Ça, c'est trop con, quoi. Je suis sûr qu'il y a une manip pour. Non? Hop, vite le rouge. Clac. On dépouille ça. On peut passer. Alors là, donc, faut faire du marron. Ouais, je me suis chopé le bouclier. Ah, ça, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, dans le sens là. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Du coup, je l'ai gâché le bouclier. Donc là, si je me fais attaquer, je peux plus le reprendre. Le jaune, il est ici. 2 minutes, mais c'est mort. Vous me donnez pas assez de temps pour faire ce que vous me demandez, là. C'est complètement gogol. Vite, vite, vite. J'ai perdu du temps. Et le temps est fatal. Hop, encore un bouclier de gâché. Bon, en même temps, celui-là, je pourrais pas du tout m'amuser à revenir le prendre. Une 40. J'ai un tout petit peu plus de temps. Come on, come on. Hop, je me recharge un peu. Ouh. Il a pas voulu me le cibler. J'aurais voulu me recharger. Il y a l'un des gardes du corps, bat le. Ok, je veux bien. Hop. Ah, il est pas content. C'est pas fini, Blob. Eh bah, ça m'arrange pas, moi. Alors, est-ce que ça valide ce bidule? Et même si je meurs, comme j'ai regagné une vie, j'aurai encore 2 minutes ailleurs. Il s'enfuit comme un lâche. 1h20 de gaming là. Ah d'accord, je pensais qu'on était à plus que ça moi. Oh, ça repeint plein de trucs. Tu as sauvé la démocratie prise.
Nous traquerons ce méchant jusqu'au bout. Ouais. Pas mal, pas mal. Ah bah voilà, en fait là c'est validé, il n'y a plus de chrono maintenant. 1 million, je suis censé faire 1 million 125 000. J'en suis loin. J'en suis très loin. Alors là donc, avant de sortir, on a l'histoire de défi. Déjà par exemple là j'ai des trucs à récupérer. Ah donc les inspi. Les inspi par contre j'ai pas besoin. Alors je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont... Comment ? Les styles, je crois que si je relance le stage, faut que je les rechoppe. Tandis que ça par exemple... Et les inspi, y a pas besoin. Tu les chopes quoi. Alors, j'ai envie d'uriner aussi, c'est pas pratique. Maintenant on peut se balader, tout a été repeint. Alors, on va suivre quand même les fameux défis. Voilà, ça clignote de partout parce qu'ils doivent tous être à peu près à la même distance. On va se faire la petite statue là. Là-bas au bout, il y a encore un machin. Donc, il m'en manque combien? 2. Un style et 20 inspi. Alors les inspi, on sait qu'on va en avoir là en faisant les défis, mais alors de là en avoir 20, ça me paraît showtime. Donc ça c'est cool par contre celui-là. Voilà, il m'en manque plus qu'un. Putain, un comme ça et un style, c'est les trucs violets là. Bon en tout cas, on a réussi à s'en sortir avec un chrono de ouf. Et comme on a réussi, je suis un peu content finalement, cette pression dont tu parlais Fox. Ah bah là, le style il est là. C'est marrant parce que je pensais l'avoir pris déjà. Alors je suis tombé et il l'avait pas compté de la première fois. Allez, 10 sur 10. On a une note exceptionnelle. Les petits trucs, faut les prendre. Mais oui, c'est là où il y avait des... Oh non, putain de saut de merde. Alors, on va aller lancer les défis. Il y en a, il va me dire, ah c'est bon, t'as déjà fait ce que je voulais que tu fasses. Donc là, il va me demander des couleurs précises. Alors... Ah bah ça y est, il les a... Ceux-là, je pouvais pas les peindre tout à l'heure. Je ne pouvais pas les peindre. Alors, il me faut du bloxm. Je vais peut-être aller uriner quand même, parce que sinon je vais exploser. Alors, les bleus. Les bleus, ils sont en bas, donc toujours commencer par les mélanges. Il y a un rouge. Bah, il est juste là. Donc on fait les violets. Je vois pas bien quand ça clignote de partout comme ça. Mon cerveau, il explose. Clac. Grisien libéré, maintenant je m'en fous. Enfin si, il compte pour le... Voilà, il m'en manque pas mal encore des mecs. Violet, il en reste un avant que je change de couleur. Où est-ce que ça peut être? Et bah c'est celui-là, paf. Et maintenant donc... Il y a les mecs ici, paf paf paf. On a du rouge, clac. Alors rouge... Celui-là en bleu, on s'en fout. Il manque deux rouges avant de passer en bleu. Il y en a un là. Ah, c'est les deux demi. Paf. Et maintenant. Ah bah, c'est dommage. On va attendre un petit peu pour avoir le bleu. Tu veux que je meuble live pendant que tu pisses? Je veux bien, je me finis ce truc. Sauf que tu ne pourras pas meubler de manière audio. Mais. Et du coup, ça permet ça quand t'as un espèce de. Comment? De co-présentateur qui est là en audio. Bam! Oh ouais! Une inspi, comme je disais. Et ben, je vais vous mettre une vue magnifique. Voilà. Et donc, Fox, tu peux meubler pendant que je vais uriner.
Et voilà, alors, sachez mes amis que Double Up 2 est sorti en 2011 sur toutes les consoles et ce jeu me fait vraiment du bien. Et ça c'est le portage PC qui date de je sais pas quand. Il est hyper coloré, beau, original et donne du positif en nous. C'est bon, je reprends la main pour dire plein d'autres conneries. Merci Fox. Bam. Alors, on a les défis. Ça va nous orienter pour essayer le 100%. On tente, on se sent mieux quand on sait ce qu'on cherche. Hein. C'est quand même aberrant cette erreur cette erreur de visuel. Le truc que tu ramasses et le truc qui est... Alors, pareil, je vais juste faire un petit délire. On va être mieux comme ça, je pense. Faut se protéger parce qu'on sait jamais. C'est pas facile à mettre. Voilà. Un peu affronté. Donc, j'ai jamais la bonne couleur. Donc, on va commencer par le mélange. On va prendre du rouge qui est ici même. Et nous allons prendre du jaune. Ah bah non, le problème c'est que ce jaune là, il fait chier parce que regardez, paf. C'est un bassin, donc le bassin a une propriété différente. Mais bon, on a réussi à faire notre orange, on en fout partout. On tartouille, et il nous en manque un qui est par là, je crois. Voilà. On va après se faire donc les petits matchs. Donc là, on a du rouge là. On nous réclame du rouge là. Du rouge là, du rouge là. Tout le fond est en rouge, il n'en manque plus que deux. On libère plein de mecs au passage. Il y a un rouge là. Paf, paf. Et donc un rouge là, et maintenant on peut se finir en jaune. Non! Ah merde! Ah, je me refasse un rouge. Un bonnet de piscine, tu as la piscine, et ouais, mon petit pote. Ah bah non. Je vais faire le jaune parce que. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Je touche tout sans faire exprès, merde! Alors, attention. Le jaune. 1. 2. Et. Oh là là, la caméra, putain. Le problème, c'est qu'elle peut me faire de la merde. Et après, eh ben, je repeins des bâtiments que je ne voulais pas repeindre. Alors, on a une fontaine. On va se faire une fontaine. Pour... Oh non, il y a un jaune qui est foutu. Putain, on va jamais s'en sortir de ce défi de merde. Alors, on fait ça, on fait très attention, on fait très attention. Voilà, là je peux rien foutre en l'air. C'est le petit coin. Mais putain! Ah oui, d'accord. Alors ce rouge, c'est de l'autre côté. C'est ça qui m'a induit en erreur. Ok. Alors pourquoi il veut pas me cibler la putain de fontaine, le chacal? Et le petit coin en jaune, eh ben il y a le bassin. On va pas s'emmerder. C'était simple et en même temps laborieux cette histoire. Woodaloo! Une inspi. Tous les citoyens recherchent le criminel coloriste. Description parfois grand, parfois petit. Il parle de moi en fait. Bannissons ces panneaux noirs et blancs. Alors il manque quelques panneaux. Vous voyez les panneaux c'est pareil. On peut. Ah il y a un truc aussi là juste au-dessus. Ouh là 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 là. Alors les panneaux, il ne doit pas en manquer beaucoup. Tiens, il y a ça aussi à se faire. Or! Or, pourquoi? Je sais pas, mais il y a un truc que j'ai dû... J'ai horrifié... On va... Non, 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 non! Progression. Les styles nettoyés. Ah bah c'est ça, j'ai pété les derniers trucs. J'ai pété les derniers trucs. Et les panneaux, bah voilà, il me dit qu'il y en a qu'un en fait. Il est là, il est là, il est là, il est au dos de ce bâtiment jaune. Alors une fois que je serai là-haut, je sais pas si je vais m'y retrouver. Parce qu'on va tourner dans tous les sens. Allez, faut que je bouffe à plus, c'est quoi cette dégaine, ce cosplay d'urgentiste? Et bah, c'est exactement ça. Je vais reprendre des études de médecine. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté mon équipement. Alors le panneau, ah bah c'est bien, il me l'indique.
Est-ce qu'on va réussir sans tomber comme une merde? Ça serait une bonne chose. Oh putain. Bon, je l'ai fait vraiment en ralouf. Ralouf time. En tout cas, bisous Zikman. Bonne app. Toi, tu peux manger. Moi, je peux pas manger là. Alors, profite. Hein. Ciao. Cool, déjà l'équipement. Plus que les 25 ans d'études. Voilà. C'est déjà. Donc, ça doit être au-dessus de moi vu que ça tourne en permanence. Ah, mais il y en a un juste là. On va le faire là-bas. Oui, on l'a vu d'ailleurs, celui qui est là-haut. Paf. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Trois panneaux. Est-ce qu'il y en aurait en bas? Tout ça, c'est là-haut. Du coup, je vais monter et redescendre 15 fois. Ah, ce petit chemin. Ça va. Oh, pourquoi il m'indique par là? Je peux pas remonter. Est-ce que je peux pas me faire un... Non. Ah, j'avais presque trouvé un raccourci de ouf. Voilà, il veut pas ici. Oh, il a pas voulu s'accrocher. Oh, l'inspi caché. Putain, mais maman que c'est mort. Ah là là. Elles sont pas faciles, hein. Elles ne sont pas faciles. Ah, je me suis fait assommer par une bagnole. Ah non, pardon, il y en a déjà un qui est enclenché, donc... Ah, c'est en face, voilà. Les fameux panneaux. Je les avais peut-être fait avant de perdre à cause du temps. Il est derrière, il va falloir que je me laisse tomber. What? Je comprends pas, là. Ah non, c'est les statues. Pas du tout les panneaux. Espèce de couillon. Hop là. Donc là, on voit qu'il y a ça. On a pas besoin de colorier pour faire du 100%. Alors que moi, je m'amuse à tout faire. Nanani, nanana. Paf. Et il y a une pancarte juste là. Oh putain, non, j'ai failli foirer. Voilà. Le petit groove. Groove in. Wouh. Ah bah non, il est déjà... Bah non, il est pop 1. Et il y a des mecs. Il y a des mecs. Alors, il y a du défi par là. Bon, c'est clair que pour certains, ça paraît trop facile d'avoir les défis qui t'indiquent, mais pff, si t'as pas ça, ça doit être tellement pénible de tourner en rond pendant 15 heures. Merde. J'ai perdu ma couleur. Donc, oh, tiens, un fil, un petit bonus. Hop. Alors, les soldats, nanana. On s'en fout. Ouah, 40 000 couleurs. Alors, rouge, on va commencer comme toujours par les mélanges. Alors, les mélanges. Orange, il y en a un ici et un ici. Ok. Vert veine. Alors, on a un bleu. Ils sont où les couleurs? Ils me les indiquent, mais ils sont... Ah bah c'est... Si, il y a du jaune là. Je l'avais même pas vu. Donc je fais gaffe aux bâtiments. Bon, ils sont pas de la bonne couleur, donc de toute façon. Alors, nous, il nous faut du... Blux. Alors des fois ils sont sympas, voilà, ils te font monter et après ils te donnent la couleur, voilà, pour le mélange. Donc il y a un vert en face. Il va y avoir un bleu tout en bas. Un autre vert là. Clac, clac. Ok, il me reste un rouge et du bleu. Alors le bleu, on va redescendre. Ah, là. Merde, je suis en marron. Bleu, c'est bien gentil, mais... C'est que le bleu qui est là-haut ou non, il y a peut-être du bleu par là. Allez. Hop, voilà. D'ailleurs en inspi, 52, je peux acheter un truc. On va se faire une amélioration.
On a un bleu en face. Ah putain, il est où l'autre? Il est là. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je... Oh putain, le rouge, il est où, enfoiré? Si je dois grimper, ça veut dire qu'après, il faut que je refasse, vous voyez? Oh putain, il est où l'enfoiré? Ça m'arrange s'il est plutôt derrière des trucs. Et c'est ce petit coin impeccable. On va en profiter pour aller voir le magasin. Inspi, une inspi c'est bien, mais il m'en faudrait 40 000. Il est où le magasin? Je l'ai perdu de vue. Il y en a une juste là-haut, mais comment on fait pour la choper? En passant par ça? Alors, l'inspi est en haut de la fontaine. Voilà, si je me laisse tomber, on peut aller là-haut direct. En face, il y a une mission. Ouais, on a pas besoin de lire, on va comprendre en deux secondes. Voilà ce qu'il nous demande. Truc de couleur, de foucaire là. Alors, je suis les petites récompenses quand même. Ah bah c'est ça qu'il faut prendre, je suis con. C'est pour m'indiquer que... Bah c'est bizarre ça, je suis persuadé de l'avoir fait. Ah c'est parce que je suis mort et que... Putain, ça c'est trop con. C'est-à-dire qu'il y en a plein que j'ai... je comprends plus rien en fait. Parce que je parlais du fait que ces trucs-là, normalement, une fois que tu l'avais pour toujours. Et là on est au-dessus de la fontaine. Merde. Oh putain. Donc par ici, on sait qu'on va pouvoir se choper. C'est pareil au bout, il y a peut-être un... Ah, c'est celle-là que j'avais chopé. Eh ouais. On voit qu'il n'y a plus rien. Très bien, donc... on n'a plus que ça à choper, con. On va essayer de se choper la fontaine en redescendant. Et une inspi-fontaine, comme on appelle ça. Alors, allez là-bas, mais en face, on est mieux. Tout simplement. On va pas s'embêter. Hop. Aspifontaine. Inspifontaine. Elle est où? Elle est là. Est-ce qu'on va réussir? Yes! Il y a des mecs. Il y a les mecs. Il m'en manque encore. Au moins il manque plein de trucs, donc on complète. Putain, ils sont copieux. Oh, ça devient un peu fastidieux cette histoire. Alors, le vert est là. On va se faire l'orange d'abord. Je voulais pas faire ça. Il me faut un rougeau. Ici même. Un petit magasin, voilà, il est là. On l'a retrouvé, ouais! Alors, ça, on s'en fout. 40, je peux augmenter. Ou alors, la charge, je peux l'acheter. Elle me coûterait plus que 20. C'est pas mal aussi. Hein. Je ferais bien ça, parce qu'après, je crois que je suis tranquille. Bam, voilà. La charge de blob a été améliorée au max. Prochain truc, ici. Donc, il m'en faut 36. Ah, je sais, j'ai pas assez. Pas mal. Alors, on a dit qu'il nous faut du jaune. Le jaune, il est par le bas. Il est juste là, d'ailleurs. Alors, orange. Voilà. On va grimpouiller comme des oufman. Clac. Maintenant, on peut faire rouge. Un, deux rouges. Très bien. Et maintenant, je me fous loin. Ah, il y a du jaune. Se le faire de là. Des chips réapparaît. Paf. Hop. Jaune. Je fais gaffe à pas retoucher un qui ne doit pas l'être. Et il me manque un petit jaune par là, visible. Le petit coin. Bam. J'ai failli toucher le vert comme un gros con. Hop là. Une inspi. Putain, je suis à la moitié du score. En sachant qu'il y a des bonus, je crois. Gold Awards, il va me donner 300 000 en plus. Et je suis peut-être pas si loin. Donc ça veut dire
target score 765 000. 765 000. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin en fait. Sachant que je commence à... On a tout nettoyé, il nous manque 7 arbres, il nous manque une vingtaine de mecs, et il nous manque un putain de truc caché et encore 9 bordels. Ouais mais il me faut, en fait c'est ça, il me faut les 3 médailles d'or pour avoir un bonus de 360 000 points. Comment on peut deviner ça? Une inspi, 700. 700, donc là j'ai fait la mission qui m'a demandé. Ça c'est classe. Des bâtiments, on l'a fait. En face. Donc là, voilà, il y a ce truc un peu fastidieux, c'est qu'il y a qui me ramène en gros jusqu'au début du stage. Je trouvais ça plus pratique qu'à la fin du niveau, il nous téléporte. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut utiliser Pinky, en fait, je suis con. Tu l'as payé combien le jeu de Blob 2 sur Steam? Je l'ai payé 6€. Il était en promo à... Je sais plus combien de pourcents, 66%. Hop, ça avec le portage PC. Puis vu la vieillesse du jeu, bon, c'est correct, tout à fait correct quand même. Après, quand même été peut-être plus ou moins rentabilisé. Oh putain, on est pas loin. Sachant qu'il nous reste quelques défis, ça c'est bien. Ça serait pas mal aussi qu'ils nous disent combien de défis nous manquent. Vous voyez, ça nous... Ah, celui-là doit être en l'air alors, non? Ça permettrait de savoir, de se sentir mieux là. Hop, le truc pour grimper, il est là. Hop là. On a tout là-haut. Le génie. On a un petit bonus de points en bas là qui... Non. On le chopera après, on s'en fout. Ah bah là, il va nous demander de repeindre des bâtiments, ça va peut-être libérer des mecs. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Du orange. Eh ben, du orange, j'ai du orange, moi. Je peux faire l'orange et peut-être revenir en arrière. Non, tant pis, on fera le jaune en dernier. Parce que là, ça a l'air d'être... Ah bah non, si je me mets là... Voilà, on fait plutôt dans l'ordre que le jeu me propose. En fait, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est dans l'autre sens, quoi. Hop, on a libéré. On va se mettre en bleu. Clac, clac. Clac, clac, clac. Et là, est-ce que je peux aller choper du jaune? Et ben le jaune, il est là. On va pouvoir faire le vert. Clac, clac. Et on va se finir en jaune. En face. 3. 3 petits bordels, 1, 2 et 3. Ouais, 735 000. Il me reste encore un défi là. Putain, c'est chaud. Il y en a deux, il y en a au moins deux encore. On en a vu deux. Je sais pas trop combien ça me rapporte un défi, donc c'est showtime. Ah, il y a les mecs aussi en bas. Alors celui-là, 746 000, il faut que je revienne avant d'oublier. Il y en a encore deux. C'était où? C'était par là. Tous les bâtiments, on a libéré les mecs. Ils sont où? Ils sont de l'autre côté? Alors... Ouais, ils les ont foutus derrière les bâtards. Faut pas que je rate mon saut, moi. Ça fait des petits points, c'est pas énorme, mais surtout, voilà, le compte de mec, putain, m'en manque 8. Il y en a 4 là. Wow. J'ai tout fait, hein, ceux qui sont derrière. Il manque un truc de bâtiment, quoi. Ou alors, il y en avait pas là. Non, celui-là, il a pas dû compter. Wow. Il faut que j'ai au moins un pâté de maison à peindre. Il manque 4 mecs, putain. J'ai vu un autre défi. Tu envoies un message, là. Hop.
c'est validé. Ouh, on n'est pas loin. Donc on n'est pas loin du score requis pour ensuite... Enfin, qui nous permettra d'avoir le rang S si on a les 3 médailles d'or, ce qui n'est pas le cas. C'est ça le truc. Rien encore. J'en ai vu un par là, un défi, non? Et, donc il n'y a pas de chrono, mais vous voyez, il y a quand même un espèce de stress. Pinky est là, elle nous attend si on veut quitter le stage. Donc je vais continuer aussi le point and click, hein, vous avez vu. J'ai programmé donc sur la chaîne VOD du Voxel. J'ai programmé les replays de The Blob 1, 2, 3 et Tiny Bank Story 1, 2, 3. J'ai programmé aussi les deux vidéos que j'ai fait sur Satisfactory qui m'a bien fait kiffer. Honnêtement, en revoyant un peu les vidéos, ça m'a trop donné envie d'y jouer. Mais bon, je sais que j'aurai pas le temps. Donc je ne vais pas l'acheter. Là, il y a un bonus, faut que je le prête. Je sais pas si ça représente beaucoup de points, mais... Il est là, sous nos yeux. 760. Ah oui, de toute façon, on a le total requis. Le défi, il est là-haut au milieu. Hop. On n'est pas loin. En sachant que, je sais plus, sur les stages précédents... Il y en a un, il me manque plein de trucs. Là, on a des mecs à buter. Ah, il ne doit pas en rester beaucoup. Mais non, il en reste qu'un seul. Groovy. Merde, 20h. Putain, il faut que je bouge. Donc là, on a tous les défis. On a assez de points. Et il nous présente à vol d'oiseau les trucs... Les mecs à libérer. Ils sont par là, il me dit. Donc en fait, ils ont dû sortir d'un bâtiment. Mais on les a pas peints, tout simplement. Ils sont là. Médaille d'or. Médaille d'or des bonhommes, il nous faut les arbres. Alors, les arbres, ça va être chiant. C'est pour ça qu'il faut les faire au fur et à mesure, quand même. En face, ouais, il va falloir faire un saut. Ah, c'est étonnant que je l'ai... Ah oui, non. J'étais un peu dans l'urgence, parce que tout à l'heure, on a bien fait le long du côté... Enfin, de l'autre côté, d'ailleurs. On les voit, ils sont peints de l'autre côté du vert. Oh, je les ai aussi. Bah du coup j'ai raté mon saut. Putain, c'est bon ça. Alors, les bonhommes, les arbres et nettoyer. Il manque une inspi et un putain de bordel caché. Et ça, c'est un enfer parce que c'est indiqué nulle part. Et il faut juste observer. Sachant que l'inspi, elle pouvait être potentiellement... C'est là où ça devient infernal le truc. Elle pouvait être dans un... Comment ? Un des trucs intérieurs. Où il y a des missions. Parfois, il y a un petit truc un peu planqué. Et ça peut être là-dedans. Et là, je sais pas du tout où elle peut être. Vous voyez ? Donc là, c'est l'angoisse. Et je pense que je vais pas farfouiller pendant 6 ans. Vous voyez, je vais dans des zones assez logiques où ils auraient pu me planquer un truc. Et il n'y a rien. Si vous avez l'œil monté sur Rotule... Oh putain, il y a un inspi là. Oh putain, je les ai. Oh non, il manque juste ce petit truc de merde. Espèce de petit badge avec la tête jaune. Il me manque plus que ça et j'aurais tout rincé ce stage de merde. Rang S, machin truc et tout. En dessous, ça aurait été un bon endroit pour le planquer. Oh là là, la haine. Donc ça c'est pareil, ces trucs là ça peut être n'importe où, dans un des trucs intérieurs ou en hauteur derrière les plateformes là. On va explorer la flotte un peu, même si ça saccade, ça fait mal au cœur. ...1h50, ça c'est quand même pas pratique comme jeu. Ah, dans cette zone là non. Hop, on se met sur une zone un peu d'observation. Oh là là. C'est la fameuse aiguille dans une botte de foin.
C'est exactement le principe de ce genre de complétion. Mais bon, quand il te manque un truc, ça fait mal au cul, quoi. Ouais, la caméra, là, c'est vraiment... Ça va pas du tout, quoi. Bon, je sais que c'est pas... Là, je suis à 60 images par seconde, hein. C'est pas un problème de... Comment ? De ressources ou quoi ? Oh là là, où est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être vers le début ? Justement. Putain, la petite inspi dans le coin, c'était fourbe. Hein. On l'a chopé, mais on a encore un truc qui nous résiste. Je crois qu'il faut pas que je m'acharne sur le 100%. Ça va juste me rendre dingue. On va refaire un passage là-haut aussi. Donc je fais un peu les contours des bâtiments, dans la flotte et tout. Les mecs sont fous, hein, ils ont mis ça sous un pont ou dans un coin de merde. En même temps ici j'y suis allé vu que j'ai fait les arbres. On arrive au début du stage. Ah, je me demande si j'en ai pas vu un moment et c'était pas le bon moment pour aller le choper. Donc là on est au tout début, on en profite pour regarder là-haut. Putain, la caméra est chiante. Et elle reste pas en l'air pour justement bien observer. Petit badge à la con là. Plus mes yeux commencent à piquer là. Donc sous le pont on avait chopé une inspi. Là il faut que je me trouve un saut Z pour, voilà, pour grimper. Encore une fois, si vous voyez un truc passer. Salut El Borito 23. Est-ce qu'il y a un rapport avec Jordan dans ton pseudo? Tiens, on a fini quasiment le stage, il nous manque juste un truc de complétion de merde. Un petit bordel à ramasser qu'on aimerait bien trouver. Mais on a peut-être pas s'acharner toute la nuit. On voit bien là en hauteur qu'on a tout rince. Là-bas. Oh là là là, haine. Franchement, c'est la haine quoi. On va aller ici. On était là-bas tout à l'heure. Ça c'est le tout début et ça rejoint. Ça rejoint carrément. Ok. 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 Là-haut. Rien. Oh là là. Oh là là. Il peut pas être là, juste là, comme ça. Pof, c'est posé là, on prend. Et on n'en parle plus. Je refais un petit passage au cas où c'était pas le même pont et que je pensais l'avoir déjà fait. Vous voyez le délire. Ouais, des fontaines aussi, pourquoi pas. Enfin des fontaines, des cascades pardon. La fameuse grotte planquée derrière les cascades, hein, c'est un classique. Que dalle dans le petit coin-coin, on revérifie quand même. Espèce de badge à la con avec une tête de bonhomme dessus. C'est à cause de ça qu'on est en train de se faire du mauvais sang. Ouais, j'aurais forcément une sensation un peu d'inachevé, hein, clairement. Alors, on va, s'il veut bien se débloquer, on va regrimper. Hein, parce que sur les hauteurs, ça nous permet de voir un petit peu les choses. Oh là 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 là. C'est dur, c'est très dur, mentalement. C'est pas cool. Oh là là, tu deviens fou à chercher un machin. Comme je disais, il peut être planqué en plus dans les fameuses parties intérieures des stages qu'on a fait déjà. Faudrait se les refaire tous. Franchement, j'ai pas envie. Hop.
Alors, on a quand même bien farfouillé, hein. Oh là là. On va retourner là. Regardez là-haut. Là-bas, il y a des passerelles encore. La petite chasse Chad. Il est sorti sur toutes les plateformes. Il est vraiment cool, le jeu. Tu le connais bien aussi. On a un autre fan de The Blob. On a un fan de The Blob avec nous. Le 2 est sorti sur toutes les plateformes. Et là, il y a même, donc, ça fait déjà quelques années, le portage sur PC Computers qui est sorti donc. Là-dedans, il peut pas me l'avoir planqué. Parce qu'ici, j'avais tracé un peu. Il y avait les saloperies de plaques de feu qu'on a foutu en l'air. Puis me plancher par là, non ? Eh ben non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. J'ai peut-être ramassé un truc par là un moment. Ah, ça, ils ont décidé de pas nous donner d'indication. Alors, ils auraient pu nous donner une espèce de zone au moins. Parce que s'il y avait une zone à farfouiller, là, je me serais peut-être permis d'aller à l'intérieur, de refaire toutes les grottes. Au fait, je t'ai ajouté sur Steam grâce au replay du premier Let's Play. Et bah cool. Alors du coup, je sais pas trop comment ça marche. Je vais avoir une notif, j'imagine, qui me dit qu'il y a le Fox qui s'est amitifié. Alors, on regarde dans la flotte parce que hein, ils savent qu'on aime Polo. Ça nous fait perdre notre encre. Bon, j'ai fait les arbres. Merde, putain de caméra. Oh là là. C'est horrible. Ah, c'est les poteaux qu'elle aime pas, je crois. Moi, je voulais aller au bout. Ok. Oh là là. Tu dois la voir, cette notification, ouais. Bon, on verra, du coup, bah... Oh, il est là! Putain, et je me souviens l'avoir vu! Oh putain! Alors là, au moment où on va pleurer, et il me semble avoir dit, quand j'ai monté, j'ai pu me souvenir où il est. Parce que regardez, on tourne dans tous les sens. Voilà, c'est super pour se repérer. Oh putain, il est où? C'est à l'arrière d'un bâtiment jaune. C'est pas dans ce sens-là, hein, je crois pas. C'est là-bas. Putain, on l'a! On peut faire du 100% de ouf. Oh oui. Comme quoi. Il est où? Genre, je trouve pas le bâtiment. Ou c'est derrière. Vous voyez, par là. Il y a un arrière de bâtiment. Jaune. Putain, je comprends pas. Là-bas. Non ? Oui, c'est là-bas. C'est là où il y a l'espèce de sphère qui nous permettait de passer. Oh putain, on l'a vu ! Oh là là ! Eh ben ça, c'est beau. Ça, c'est quand même beau. Ça s'appelle l'abnégation. Tout donner. Hop, je peux même prendre ça pour m'amuser. Et donc, c'est quel coin ? C'est ici. Putain, regardez-moi ça, la beauté. 59, 10. Waouh. Alors, et bah Pinky. Est-ce qu'il y a une Pinky tout près, là? Donc, j'ai eu peur quand j'ai vu le chrono, mais c'est juste pour me dire. Pinky, elle est là. Faut que je remonte. Oh, je me sens mieux. 20h par contre. Je n'ai pas prévu de partir si tard. Ok. Par là. Oh là là. T'as vu ça, Fox? Alors, j'espère que le truc des calculs, il me fallait 765 000. Plus le bonus va me permettre d'avoir le fameux rang S. Nous avons arrêté l'inauguration peut-être trop tard. Mais non, comment ça? Comme il s'est enfui, le mec. Partir. Ah bah non. J'ai mal cliqué. Ah non. J'ai cru qu'il allait me remettre tout le texte. Allez. Donc c'est à nous de décider de partir. Et j'ai très mal à la tête. J'aurais jamais dû faire ça. Oh l'horreur. Putain, ça sert cette merde.
Aïe, aïe, aïe. Succès, Sénat libéré. Alors, défi bonus 16 sur 16, c'est quoi ça? C'est le nombre de défis. Rang S, on a tout, 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 tout. On a les 3 médailles d'or, on a l'inspi, on a les 2 autres bordels. Et on a débloqué donc les trucs dans la galerie. Ça, c'est aussi en ayant ramassé les petites médailles. Waouh. Et voilà, on va arriver à l'université. Et donc, dans les autres stages, il faut que je regarde. Celui-là, on a tout, on a rang S. Par contre, le premier niveau... Enfin, le... Celui-là, il nous manque un peu d'inspi. On peut même pas voir ce qui nous manque, ça c'est chiant, faut que je lance. Il manque 2 inspi, je crois qu'il manque autre chose. Donc le 100%. Et celui-là, hein, ah ben non, on a S sans avoir l'inspi. Ah oui, parce qu'on a les 3 médailles d'or. L'inspi, les petites médaillettes et le style comptent en score, mais comptent pas dans le bonus de médailles d'or. Donc même sans les avoir, on peut avoir rang S. Donc après, ah merde, je l'ai lancé. En tout cas, il est temps de vous dire au revoir, les amis. On se retrouve pour la suite de ce Let's Play et pour la suite du Let's Play de The Big Bang, The Tiny Bang Story, le point and click, auquel je me suis pris au jeu. Et donc, ça va être l'occasion de le finir. Il me reste quoi, 3 stages? Ça se fait bien, là, ça se fait en une heure. Là, ça fait des grosses vidéos, quand même. Merci à tout le monde d'avoir été là. Le fameux El Burrito qui vient d'arriver sur la fin, qui nous a aussi donné son amour pour le jeu. On n'est pas tant que ça, hein. On a retourné sur la carte. Bisous à Fox. Bisous à tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.